Salut, ça va Ouais, ça va trop bien, merci. On est sur First Print, votre podcast comics de l'enfer. Euh, trop bien, trop, trop, trop cool. Euh, on a demandé à Cyril Anunes ce qu'il en pensait. Il a dit, j'adore frère. Corentin, tu dit, vas bien J'adore mes chéries. C'est ça, c'est vrai. J'adore mes chéries. De... Bah, on est ces petites. Euh, en, en... <laughs> Je veux dire, non, est bien. Là. On, fait on, racera, là. on fait la, on, avec, fait la euh, avec <laughs> on fait la rasera avec avec On fait la raptat. Non, <laughs> oh, mais c'est même pas une intro, hein, parce que le générique est déjà passé. T'inquiète pas, c'était juste ah, histoire okay, de dire quoi. de dire bonjour, salut, ça va, de comment vous allez bien, bah, toujours toujours avec Arnaud Rigolo. Euh, le front page, donc, euh, ce premier front page de décembre sur First Print, c'est pour faire le point sur l'actualité des comics et des adaptations et pour cette émission j'ai bien sûr l'honneur d'accueillir Arnaud Kikou. Salut Arnaud ça. Va, ça, va Salut très... Arnaud. Ah, ça va très bien. Merci. de t'en rencontrer. rencontré. Bah merci. On m'a beaucoup parlé de toi. Ah bah moi aussi je parle beaucoup de On moi. Fraîcheur. Et euh... Corentin, j'ai envie de dire, tu es avec moi, bien entendu. Oui, ça va bien aussi. Bof, bon. 2020, 2020, bien Mof. entendu, c'est la Mof. fin de l'année. On est dans le dernier mois de l'année, mais on a quand même pas mal d'actualités à débriefer. Et du coup, donc, on va pouvoir se lancer là dedans pour évoquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière émission régulière. Que s'est-il passé dans le formidable monde des comics et de leurs adaptations Mais d'abord, Corentin. Il faut que je euh, fasse quelque chose. Voilà, elle a la voix ralentie, et là, vois, ouais, et, je, là et là, je vais poser. faire beaucoup moins le fier. Non, euh, tout simplement, un message euh, d'excuses à adresser. Aux auditeurs et auditrices qui auraient pu être euh, choqués ou euh, heurtés euh, par, une, euh, par une blague malheureuse, dans le dernier front page, j'évoquais la, la radinerie de Corentin et je ponctuais cette blague par un juif euh, qui a heurté euh, des personnes qui sont venues me le signifier en message. Et bien entendu, euh, mon but n'est absolument pas de blesser qui que ce soit dans ce podcast, d'autant plus qu'on essaie d'être toujours le plus ouvert et le plus bienveillant possible. Donc je n'ai pas d'excuses, euh, sinon que je vous présente mes excuses euh, si ce mot euh, malheureux euh, vous a heurté, et ça ne se reproduira pas. Euh, voilà ceci étant dit euh, Corentin un oui. petit point quand même juste pour rendre hommage euh, à un très grand monsieur de la bande dessinée qui nous a très quitté et qu'on évoquait en plus dans l'un des derniers back issues puisque son dernier enfin son dernier ouvrage donc Murky World venait de sortir chez les éditions Delirium. donc on parle bien évidemment de monsieur Richard Corbin et euh, c'est marrant parce que la critique que tu avais rédigée sur Comic Vlog c'était marqué dernière oeuvre d'un de, géant du, mmh. de", un truc comme ça et c'est vrai que quand je t'avais relu le trait quand je l'avais relu, avant de, de la mettre en ligne, je m'étais dit, ouais, mais le dernier truc, ça fait un peu bizarre, on dirait presque qu'il qu est mort. je me suis dit... Euh c'est son dernier truc en date tu vois mais il n'est pas ouais, mort est mais finalement je, je te l'avais quand même laissé et euh, bah, malheureusement ce sera vraiment sa dernière œuvre publiée mmh. euh, en tout cas à l'heure actuelle peut-être qu'il a des travaux euh, que sa femme Jara à titre posthume mais donc voilà Richard Corben nous a donc quitté à l'âge de 80 ans euh, donc ça est arrivé le 2 décembre on a été mis au courant le 10 euh, une opération du cœur qui donc euh, ne s'est pas bien euh, passée un petit mot du coup euh, Corentin pour euh, oui. bah, pour lui rendre hommage tout simplement oh bah c'est pas forcément enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin Genre, je pense que Richard Corben... Alors, c'est ce qu'on avait déjà dit dans le dernier podcast euh, bah, sur le sujet... Euh, Richard Corben, c'est vrai qu'effectivement, il est, il est étonnamment connu du point, du point de vue des, des, des vieux lecteurs, on va dire justement, qui ont suivi un petit peu la période de Metal Hurlant avec euh, Jean Giraud et Philippe Drouillet, parce qu'il oui, fait partie un petit peu de cette génération d'auteurs qui a amené euh, cette espèce de science-fiction un peu irrévérencieuse, cette fantaisie un peu barbare, un peu brutale, <coughs> pardon, un peu brutale, euh, au moment où en fait le magazine s'est lancé et a eu son compagnon aux États-Unis, Heavy Metal. Mais Corben c'est bien plus que ça, Corben était là en fait à l'époque de la révolution des comics d'horreur avec les anthologies eerie et creepy de Warren Publishing dans les années 70, à l'époque du, comic, euh, du comics pardon, underground où l'horreur était vraiment revenue en grâce euh, euh, en Indé entre guillemets et ces anthologies là qui sont considérées comme cultes qui ont inspiré beaucoup 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 de dessinateurs qui euh, sont ensuite devenus des légendes et on pense par exemple aussi à Batman Black and White qui avait quelque part été un petit peu inspiré par cette espèce d'esprit de comics d'horreur à l'ancienne. Euh, à l'époque, Corben était connu pour avoir justement cette espèce de très réaliste et assez caricatural qui deviendra un petit peu un, un repoussoir pour beaucoup de gens parce que c'est vrai qu'il aime bien les gueules pas possibles et les morphologies euh, complètement bizarres. C'était un peu un, 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 un dingue à plein de niveaux. C'était un mec qui, qui adorait justement. Euh, un petit peu comme Jean Van Damme avec le grand pouvoir du Schnickel, tu vois, c'est vrai qu'il y a une proximité à tirer. Les mélanges de genres, tu vois, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent une histoire assez sérieuse, assez froide. Souvent, c'est souvent assez froid, les comics de Corbin. Il y a vraiment un sentiment, pour citer Sipan, un ami qui disait, il y a un sentiment de fin du monde dans ces BD. Parce que t'as l'impression que, mm -hmm. que l'humanité est dégueulasse et qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus rien à en tirer. Mais c'est vrai que voilà, il, il a imposé des choses qui étaient très novatrices pour l'époque, notamment cette espèce de colorisation assez dingue qui donne ce rendu, en fait, d'images 3D parfois. Euh, ce rapport au réel, euh, superposé, hein, il y a un dessin assez caric caricatural, il a, euh, il a reçu des prix, il a fait énormément de grandes choses, il était là pour la révolution des comics d'horreur, il était là pour la révolution métal hurlant, il était là évidemment quand Marvel a commencé à faire un peu plus de son, c'était devenu déjà une petite légende, au bout de 40 ans de carrière quand même, quand il est arrivé euh, sur Marvel Max euh, avec euh, Cage, euh, avec aussi une histoire de Hulk, avec le Punisher, et, euh, le Punisher, et euh, avec un petit peu aussi de Hellblazer et en fait voilà il a, il a couru sur plusieurs générations alors moi je vous dis ça je l'ai découvert en fait euh, tout connement quand j'avais 15-16 ans j'étais venu voir mon père parce que à l'époque j'habitais à Nantes mon père habitait à Paris j'avais découvert dans une médiathèque en cherchant un petit peu à me documenter sur Hellboy parce qu'à l'époque les films étaient sortis, je les avais découverts, je les avais adorés, et je tombe sur Hellboy au Mexique, à l'époque je croyais que c'était Mike Mignola qui dessinait, j'ai découvert plus tard que c'était Corben. Et euh, Corben effectivement a beaucoup travaillé avec Mignola sur Hellboy, notamment sur deux histoires, donc Hellboy au Mexique et The Crooked Man, qui lui a valu un Eisner Award de la meilleure série limitée. Euh, qui sont vraiment voilà des trucs euh, colossaux, géniaux, extraordinaires, euh, Qu'il qui est bon d'avoir lu si on aime Hellboy, si on aime la, la bonne bande dessinée. C'est aussi justement cet esprit un petit peu de BD, euh, de BD monde, de BD univers avec Den, avec euh, Bloodstar, etc. Il a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a plein de romans graphiques qui sont même pas importés en France, qui sont des trucs très peu connus, qui sont souvent assez voilà, irrévérencieux, violents et compagnie. Euh, donc, tu le disais, jusqu'à récemment, il continue à travailler. C'était impressionnant parce qu'à 80 ans, le mec avait encore un trait qui, qui se défendait carrément. Alors, c'était pas aussi bien qu'au début, mais euh, il y avait toujours, pour les fans de ce style-là, la même énergie, la même force et les mêmes défauts et qualités, on va dire. Donc, Murky World, qui est sorti récemment en VF, qui euh, a été édité cette année, enfin, depuis deux ans, dans le magazine Heavy Metal aux États-Unis, qui continue à, à produire. Euh, et donc, oui, c'était assez impressionnant de voir que jusqu'au bout, le mec s'est accroché à son carnet à dessin. Et que quelque part, bah voilà, c'est, tu vois, moi quand quand Mobius est mort, j'avoue, je connaissais pas forcément autant que que Corben aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait quelque chose parce que c'est un putain de géant, tu vois, qu'il a, il a tout connu, tout fait, tout fréquenté. Il était là, il était là avant Frank Miller. Il était là, il était là avant euh, Vertigo. Il était là avant Marvel Max, etc. Et euh, bah, il a posé un truc qui, qui restera comme une, une œuvre immense, pas pour rien qu'on lui a filé le prix de, enfin le Grand Prix du Festival de la bande dessinée d'Angoulême il y a seulement deux ans, 78 ans quand même. Euh, que dire Enfin, il y, y a des bouquins à écrire sur Corben, il y a des films à faire sur Corben, il y a une influence qui, qui est énorme, qui n'a pas encore été totalement, totalement digérée. Il euh, y a des hommages de Corben euh, à Corben dans, dans South Park, tu vois par exemple, avec le coup de l'image de qui a été récupérée du film Métail Hurlant sur lequel il a bossé. Donc euh, c'est très, c'est très dur à résumer. Un jour peut-être qu'on fera un podcast sur lui si ça t'intéresse de découvrir son travail. Mais euh, voilà, pour moi, c'était vraiment euh, un gros coup de massue dans la gueule. Alors en plus, c'est arrivé en même temps que le discours de Jean Castex, dont j'étais pas forcément dans, dans, un très bon bout de ce soir-là. Euh, voilà, comme dirait Jean-Michel, Jean-Michel, comme dirait Michel Drucker, euh, salut l'artiste, et, et fait chier, quoi, tu vois, enfin, comme, comme, tu dis, c'est vraiment la proximité est tellement, tellement dingue, quoi, je veux dire, j'ai, fait la critique de Murky World il y a deux petites semaines, et déjà, à l'époque, j'étais limite en train de me dire, peut-être qu'il va encore réussir à signer un ou deux volumes encore, euh, parce que bon, on peut être réaliste, 80 heures, c'est quand même pas tout jeune, tout jeune, tu vois, c'est pas comme les mecs qui meurent à 50 ballets, etc mais euh, voilà cette année il y a quand même eu beaucoup de pertes euh, de gens que moi j'aimais bien notamment au niveau du cinéma là on perd quand même un, une vraie grosse brute euh, du dessin qui symbolise tellement d'époque tellement de style et puis une une façon de penser et de faire de la BD qui, qui a un peu disparu aujourd'hui, qui, qui, est peut-être moins présente. Il y a encore des Steve Cross et compagnie Mais il y a plus ce côté, euh, la productivité, la productivité, l'anarchisme, je m'en bats les couilles de tout, etc. Enfin, jusqu'au bout, le mec, toute sa vie, on lui a reproché de faire des nanas avec des gros nichons et dans les postures un peu, ça, un peu, ça là, ses compagnies, il a toujours dit, ouais, moi, ça me fait rire. Et au bout d'un moment, je suis de mal à personne, je suis un mec fidèle, j'ai jamais de me to et compagnie. Quelque part, il avait raison et quelque part, justement, ce qui fait, euh, transcende beaucoup, enfin, de beaucoup ce truc-là, tu vois. Donc, euh, moi, ça me, voilà, ça me fait vraiment chier. Abos en paix, frérot. Quoi. Merci, Corentin. Merci, mais de rien. De, de rien. Et non, bah, moi, je, je ne connais pas, comme toi, l'œuvre de Corben que. Je dirais même que, que, que je suis encore en train de la découvrir. Hein. Clairement, je ne suis pas du tout, du tout connaisseur. Mais c'est vrai que, euh, par contre, tu sais reconnaître les gens qui sont influents. Tu sais reconnaître l'importance des œuvres, euh, ne serait-ce qu'en regardant euh, voilà, euh, euh, bah, tout ce qui s'est passé autour même. Et effectivement, le fait qu'il était reconnu euh, pour son travail euh, au FIBD, c'est quand même euh, bah, une grande victoire pour, pour ce monsieur. Donc, ouais, ça, ça fait toujours quelque chose, même sans être aussi connaisseur que toi. Tu dis... Ouais putain, il y a quelque chose qui, qui s'est perdu, donc euh, effectivement je pense que hein, à l'occasion avec des personnes spécialistes sur le sujet, ça, ça, ça me fera plaisir d'animer un podcast sur Richard Corben. Si je puis juste me permettre de t'interrompre, euh, quand un mec part et on dit c'est triste et on dit quel, quel dommage qu'elle perde, l'œuvre de Corben, il est quand même très peu connue du jeune public, enfin du jeune public, des nouveaux lecteurs qui sont pris dans les comics avec les New 52 et qui après sont bifurqués vers l'indé avec Image et Boom etc... Euh, les, les éditions Delirium, on en a déjà beaucoup parlé, font un travail qui est vraiment assez extraordinaire pour justement importer ces shadows de l Underground et britanniques et américains. Euh, moi, je vous conseillerais Monde Mutant ou Murky World, peut-être pas Murky World en premier, mais Monde Mutant par exemple, qui est très perméable, qui est très digeste, si vous êtes fan de, de Georges Romero, c'est génial, ou de New York, etc. Euh, et tout le travail Irene Creepy qui a été importé en France par ces mecs-là, et qui font des très belles éditions, du très beau travail, et il est maintenant, entre guillemets, c'est un peu trop tard, mais il est encore temps voilà, de le découvrir. Il y a une offre qui pour le coup est bien foutu, genre si le mec était Morgan 10 ans, on n'aurait pas eu les, les mêmes accès aux bouquins, tu vois. Mmh. Donc euh, pareil pour Delcourt, qui a compilé le travail qu'il a fait avec Mac Mignola, et pour le coup, c'est vraiment indispensable si vous êtes fan de Hellboy et d'horreur euh, séquentielle. Il y a même Panini hein, qui avait fait une édition grand format noir et blanc, en fait, de, 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 de ses travaux sur, euh, chez, chez Marvel, qui est assez, assez joli, qui permet d'apprécier vraiment euh, son trait. Donc voilà, de toute façon, voilà, donc euh, heureusement, euh, son œuvre est disponible euh, largement en VF, donc euh, l'occasion peut-être pour, pour moi comme pour vous d'aller découvrir son travail et après ce, cette petite parenthèse hommage euh, on passe à l'actualité Proprement dite, avec un premier point sur DC Comics. Encore, encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous d'ici Mais qu'est-ce que vous faites Eh bien, c'est très simple. Hein, on le savait. DC Comics début euh, de l'année prochaine. C'est là. là c'est bientôt. Putain, on est bientôt en 2021. Euh, qu'est-ce ah, qu qu qui s'est passé bordel. Quelle année Quelle année Donc voilà, en janvier-février, vous en avez parlé dans un précédent front page, même dans plusieurs front pages. Hein, euh, DC Comics fait un événement de deux mois qui s'appelle Future State. Euh, une parenthèse sur le futur euh, qui nous présentera donc voilà des, des nouvelles équipes créatives sur différentes euh, itérations de héros bien connus. On sait par exemple que John Ridley Ford doit mettre en place un nouveau Batman euh, qui est noir américain et dont on connaît l'identité. On n'en parlera pas là puisqu'on veut contrairement à DC qui balance ses couvertures variantes pour spoiler des trucs euh, en tant qu'argument de vente. Nous on préfère laisser aux lecteurs électrices le choix de découvrir cette, cette identité. Mais en tout cas c'est un Batman noir donc c'est une première dans l'histoire du Chevalier Noir. Euh, sans jeu de oui, oui, ah, ah. Non, bravo <rire> incroyable <rire> euh, on a une Wonder Woman du coup euh, Yara Flore qui est sud-américaine également une première dans, dans cette histoire même si je pense que dans ouais. les amazones il y avait sûrement des origines plus, plus varié. diverses dans, varié. dans dans les Le chez Grant Morrison c'était varié il ouais, y a de la variation mais en tout cas voilà qui aura aussi un flash non binaire aussi un flash non binaire effectivement c'est Kit Quick je crois un truc comme ça je sais plus il a, il, a, il a par contre il a, il a, un, il a un blaze tout, tout pourri ouais. euh, enfin voilà donc différentes itérations de personnages qui arrivent et on se disait ouais mais bon euh, voilà euh, c'est juste une parenthèse de deux mois si ça continue pas après c'est pas ouf mais euh, les premières annonces post-Future State euh, de DC Comics, donc pour le mois de mars, montrent en fait qu'il y aura bien une continuité éditoriale, en tout cas dans les projets, puisque grosso modo, il y a pas mal de nouvelles séries qui ont été annoncées ou même des séries qui vont reprendre leur numérotation euh, originelle mais qui vont accueillir pour le mois de mars du coup euh, les équipes créatives déjà présentes en fait sur les numéros de janvier et de euh, février prochains première annonce et moi je commence par celle-là parce que c'est celle qui me fait le plus kiffer euh, si j'étais dans un podcast euh, complètement libre je dirais que ça me fait dresser le zizi euh, je le dis comme ça non, effectivement on pas un podcast libre alors c'est vrai complètement <laughs> je pas je m'y est... oppose <laughs> non par contre, non c'est vraiment une annonce beaucoup trop cool euh, une nouvelle ongoing Swamp Thing par Ramvi donc euh, scénariste de Blue and Green et This Savage Rose euh, qu'on a ultra kiffé euh, par ici pour euh, son approche de l'horreur euh, à la fois ésotérique et, et romancier euh, il a aussi fait il est aussi sur le Justice League Dark et sur Catwoman alors je suis euh, euh, je vais être franc, euh, je sais que j'ai tellement de retard là-dessus que je saurais pas encore vous en parler pour vous dire si c'est bien parce qu'il a déjà écrit Swamp Thing là-dessus. Mais sur le principe, il relance donc Swamp Thing avec Mike Perkins au dessin, Mike Perkins qui dessinait récemment la Lois Lane de Greg Ruka avec un, un style euh, avec force ancrage euh, moult à plat de noir qui rend très, très bien en fait voilà qui est très bien pour le polar mais qui est aussi très bien pour l'horreur. Donc les deux euh, sont déjà sur une histoire de Swamp Thing euh, pour Future State et donc il relance la série. Je suis Ultra déter vénère de ouf là-dessus, parce que <laughs> aussi, parce que c'est vraiment. alors Carrément, ultra déter vénère de ouf. Non, mais voilà, euh, de, juste parce que Swamp Thing aussi, sur le fait des, 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 des comics, on n'avait rien eu en termes d'ongoing depuis le run de Soul, quand même, qui de Charles Soul qui, qui s'est fini il y a quelques années. Alors on avait eu un one-shot de Tom King, on a vu la mini-série de Len Wayne et euh, Kelly Jones, qui était cool, tu vois, parce que c'était vraiment. Euh, tu t'en rappelles pas, Lancien Numéro euh, Non, hein. mais je suis en train de me, de me demander, tu sûr que c'était après le run de Soul, ça ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ah ok, d'accord. Autant oui, oui. pour moi. Oui, non, ça date, hein, le run de son, ah ça ouais. commence vraiment, vraiment, vraiment à dater. Euh, Il y avait eu quand même aussi euh, quelques histoires, en fait, qui étaient disséminées dans les Giants euh, destinés au Walmart, mais que ici, on n'a jamais vu en, ouais, fait, en fait, comme à ouais. Rioxay. Ou alors euh, seulement euh, sur, euh, dans les, euh, en version numérique. Et si vous avez entendu un petit bruit derrière, c'est parce que euh, ma coloc ne respecte rien pendant qu'on enregistre <laughs> des podcasts et que vraiment... Ah, ça m'énerve ces gens-là qui ne veulent pas respecter <laughs> <laughs> Bref, euh, qu'est-ce que je veux dire Non, voilà, donc ultra chaud parce que pas de swamping vraiment régulier dans les comic shops euh, depuis depuis quelque temps. Euh, L'équipe créative elle est ultra canon, la couverture que DC Comics a mis en ligne, euh, elle est vénère. Donc on sait rien, on sait pas de quoi ça va parler. C'est un peu le problème de toute façon qu'on aura sur toutes les séries, c'est que là on est vraiment juste sur les noms des équipes créatives et sur les planches présentées, mais on ne sait pas encore quelle est vraiment l'approche des, des auteurs et des artistes sur les personnages au cours de Future State. C'est un peu le, le problème, donc il faudra juger sur pièce. Mais comme je le disais avant. Euh, le zizi tout dur quoi. <laughs> en plus tu vas pouvoir demander à Mac Perkins de te faire un Swamp Thing à ajouter à ta collection Bah ça de toute façon en fait. Oui bah oui. Que je, tu, sais, tu sais que généralement même si les, oui, les ça, même vois, si vois, les gens n'ont jamais dessiné Swamp Thing je, je, je vais les voir et ouais, je leur les dis. Chartier, un swamp Thing euh, PF. Euh, bah ouais. Zep. Zep. Oui. Tu me fais un Swamp Thing et tout. Bah bien sûr. <laughs> bien sûr. Euh, Plantu, Voilà bref. Euh, donc moi je suis content aussi. Voilà, ça pas gros, Yes, parfait, donc à... on va on va continuer avec la suite du coup. <laughs> J'adore <j> ça. <laughs> de enfin, moi aussi, extraordinaire. <rire> je <laughs> <ring, rire> <alors> je déploye. <laughs> Hashtag déployée. rigolo. Non, mais voilà, Swampfing, c'est un personnage préféré. Je trouve effectivement qu'il a été assez maltraité. Euh, de... J'aime bien enfin bien ce qu'on qu a fait Scott Snyder, Scott Snyder pardon. Euh, Saul aussi avait une lecture intéressante en mode guerrier avec une mythologie plus fantasy de de la cartographie Swampfing. C'était intéressant, mais il est temps quand même de poser un peu euh, une nouvelle origine. Ramzim me satisfait très bien en, en mainstream du peu que j'ai pu lire de lui. Euh, donc je suis content. Euh, Mike Perkins, c'est pas forcément celui que j'aurais vu. Tu vois limite si justement ils avaient pu récupérer euh, à, à moi Arkane, Anna Arkane qui a fait au Blue and Green. Oui. Le dessinateur, ouais tu vois ça, oh, ça, oui. ça aurait quand même été un, un, un bon gros délire. Mais très content. De toute façon, moi, c'est un petit peu comme pour le, le, le blazer de, de décidément aujourd'hui. Hein ah, 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 oh, Aaron, Aaron Campbell. Pas du tout. Dans le Blazer moderne de Sexpérios, voilà ça. Bah c'est comme au dessin, pardon. Oui, mais je pensais plutôt au niveau écriture. Enfin, pas, oui. pas, 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 parce que moi, c'est le Blazer de Sexpérios, même s'il était annulé avant terme, euh, ça reste pour moi l'une des meilleures lectures de Blazer qu'on ait eu depuis facile dix ans. Donc, euh, j'ai l'impression d'essayer, genre, plutôt pas trop mal sur la belle horreur en ce moment, donc euh, content. Maintenant, j'aimerais juste qu'ils annoncent animal Man, et puis voilà, je, je serais content. Oui, alors je ami... ah, t'avoue qu'Animal animal Man, pardon. Ah, ça date on aussi. Y hein. est, euh, on n'y est pas du tout mais alors c'est depuis Jeff Lemire lui qui a plus rien eu euh... Euh, ouais c'était un très bon il voilà. hein, pour le coup euh... c'était un, un il y a même pas eu de suite par rapport à ces Snyder c'était arrêté sur son et de ouais, en ouais. Et que là pour le coup Animal Man c'était les Jeff Lemire début à la fin et... ouais c'est ça et ça ça non bah, avait... après il y avait une forme de conclusion à cet animal, ouais, plutôt, à ce est... volume là qui pour était, moi c'est qui... un des meilleurs hein. c'est vraiment ouais, c un c chaleur, hein. ouais, non non c'était vachement bien donc hum. euh, oui bon bah, content voilà. on en reparle pas c'est d'ailleurs de ce de ce Animal Man peut-être Mmh. Bah, c'est pas faute de faire de faire chier pour qu'on fasse des... 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 des podcasts sur l'horreur. En fait. bah, je vois pas de quoi tu parles. <laughs> Est-ce que tu serais en train de me faire des reproches comme ça en plein podcast oui. Ouais, oui. Bah, super. Voilà. Bah, voilà. Bah, Moi ça... je le dis, Arnaud il aime pas l'horreur. <laughs> c'est pas vrai. Mais... <laughs> en plus, Arnaud, il adore l'horreur. <laughs> Diffa diffamation. Euh, on continue. Alors il euh, y a un autre titre avec une nouvelle équipe créative. Oui. Oui, c'est Wonder Woman. Oui. oui. Avec donc Becky Cloonan et Michael W. Conrad qui seront à l'écriture et Travis Moore au dessin, sachant que voilà les deux sont aussi à l'écriture et au dessin sur le titre Immortal Wonder Woman, donc qui intègre trois publications différentes et donc ils sont sur sur l'histoire principale. Surtout c'est que marie Tamaki et Michael Ranin au final se sont fait vite fait dégager. Euh, ben bah ouais bah moi je pensais pas que c'était un run de de in du tout. Je bah pensais ouais, qu'il y avait. Créative, je crois que ce serait une sorte de nouvelle ère quoi. C'est ouais. comme euh... J.W. Wilson uh, uh, moi je pensais vraiment que ce serait un peu le nouveau millénaire millé 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 millénaire quoi oui euh... <laughs> <laughs> Casse les couilles, putain. Mais tu vois, J. Willow Wilson qui passe, on, on la dégage ou alors elle s'en va. Euh, ouais, après, après, elle n'a elle elle pas, été... elle, elle pas été aidée du tout, euh, Willow Wilson, avec euh, les, euh, justement tout ce. Putain, mais le, The Year of the Villain, les couilles là. Mais, oui, oh, on est d'accord, évidemment. Mais, quel enfer. Il y a quand même des scénaristes de bah, Tom King sur Batman. Mais bat l'arc qu avec Cheetah et, son les, trucs, Cheetah et son épée de Godkiller de merde là, putain, mais c'était nul. Je sais bien, mais quand même, t'as l'impression, si tu veux, qu'ils <laughs> en fait, enchaînent les scénaristes, euh, les femmes scénaristes qui. Qui, qui sont bien en ce moment, qui sont dans la bonne actualité, ou même qui jouent simplement du talent, en fait, qui sont un peu des vedettes en, de l'industrie. Tu sais, ils les essayent toutes jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Genre Jimmy Wilson, on essaye, mais un Tamaki, moi, pas mal, et puis après, dit non, en fait, Mickey Clown. Ouais, elle. bah en plus, euh, Tamaki, ça commençait bien, puis après, c'est pas aussi bien que ça pouvait l'être, donc après, peut-être parce mm -hmm. qu'elle savait que de toute façon, là, elle allait pas continuer, je sais pas dans quel genre Ouais Je mesure, pense y a de ça, à mon avis. Elle elle était... Mais euh, du coup, ouais, bon, Travis Moore, un peu moins euh, sous-saxe, quand même. Ouais. moi par rapport à Khanin on perd en qualité ça aurait été dommage parce que j'aurais bien vu un run de, de... en plus j'étais Wonder Woman il y a quand même ce côté euh, il y a encore l'historique euh, de Azarello <laughs> et Cliff Chang tu vois avec un volume plein de tu vois, c'est dingue parce qu'on n'arrête pas de dire du mal des New, 52, des New 52 tout le temps, et même les éditeurs le font, alors que finalement, tu vois, ensuite Animal Mal, Swamp Thing... Euh, ah, Il y, y, y avait des vrais bons trucs, hein, dans C'était plus... Euh, Il y avait un esprit dans la durée qui était mieux établi, je trouve. Comme les macarons. Ah. <laughs> Putain, je t'ai... Ah, tu tues, tu tues. Et <laughs> du coup, ouais, j'aurais bien vu, justement, au moins un artiste qui reste à défaut de garder la même scénariste. Mais, bon, écoute, je demande, je demande à voir. Moi, j'aime bien des dans de l'écriture Ouais. Ouais, ouais. Après, il faudra voir ouais, dans, 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 dans quelle mesure elle fait juste le pitch ou si elle écrit aussi, et si elle tu sais, est dialoguiste je... et tout ça. Ouais, ouais, non, ouais, ouais. non, c'est moi qui fais les blagues, Corentin. <laughs> tu sais qu'on n'a jamais eu de. Tu sais, il si y, y a une raison sur... pour laquelle il y a jamais eu de hashtag Corentin rigolo. Oui parce que tu ne laisses pas faire les blagues. Non c'est parce que t'es pas... <laughs> pas drôle c'est tout. Juste ça. c'est super marrant. C'est hein. hyper marrant. Je reçois des DM en chaîne toutes les semaines. Enchaîne. Ils me disent tous ouais le Arnaud Brume, Pardon, il est tard, <rire> le... <rire> le le, le Correnton, Perdu, perdu, euh, quoi. Bref on parlait de Mariko Tamaki et justement on reparle d'elle encore une fois puisque elle elle va euh, reprendre le titre Détective Comics en mars oh. 2021 donc euh... Peter J. Tomasi euh, qui s'en va une fois de plus. Euh, qui, euh, et je crois que le dessinateur, je ne sais plus si c'est Brad Walker qui disait, euh, qui a fait un thread, comme, il l'a un petit peu appris comme ça. J'ai l'impression il n'était pas forcément au courant parce qu'il dit Ah, bah, ça redémarre en mars. Donc j'imagine que le numéro qui sort dans deux semaines, c'est le dernier que je ferai. C'est un, un petit peu bizarre. Ah ouais Ouais, c'est le. le ah. vieille... Alors après, il essaie de ne pas être non plus trop. Euh, bah, euh, d'avoir trop le somme non plus. parce a bah, voilà, son boulot. C'est les, les règles du jeu. Mais ouais, je ne sais pas comment ils ont. Ils ont on ça forcément, mais par contre, il ouais, y a par contre, il y a un détail qui est hyper intéressant, c'est qu'il dit en deux ans de run, il a eu cinq éditeurs différents, et ça, ça montre quand même euh, ouais, les, euh, les, les, les problèmes en interne de de les éditoriaux, de d'ici ouais, les fameux, les fameux, les ils, revient, ils reviennent, Mais donc par contre, voilà, Mariko Tamaki euh, qui écrit déjà euh, le, le segment Dark Detective euh, pendant Future State avec Dan Mora au dessin, donc Dan Mora, c'est Klaus, c'est Once and Future, euh, c'est beau. C'est beau, euh, tout simplement. Et donc voilà, les deux reprennent Detective Comics en mars. Euh, Lourde équipe créative pour le coup. Euh, alors, pareil, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas trop c'est quoi leur angle. On ne sait pas dans quelle mesure, puisque tout, tout se passe un petit peu dans le futur avec Future State. Et euh, normalement, bah, en fait les séries euh, en mars reprennent dans une forme de, de présent, on va dire. Ou, ou peut-être pas d'ailleurs. On, 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 on ne sait pas, tout simplement. Mais sur le principe, moi, tu, tu, tu me dis. Tu sais, tu un vendeur qui sonne chez moi à la maison. Il <laughs> fait ⁇ Bonjour, est-ce que vous voulez Mariko Tamaki et Dan Mora sur Detective Comics bah ?⁇ Je leur dis oui. Tu vois, je leur dis bien sûr. Mais sais pas Dark Detective plutôt j'ai dit Dark Detective. Non, t'as dit Detective Comics. Non, mais Detective Comics, c'est le site Detective Comics en mars. Et Dark Detective, c'est la publication dans Future State. Parce que je te rappelle qu'en Future State, toutes les publications régulières sont arrêtées. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui, oui. Moi, pareil, si un vendeur, pour une raison inconnue, il sonnait chez moi pour proposer d'acheter un comics Dark Detective en avance, je serais très content. Effectivement, les planches de Mora qu'on a commencé à voir sont très jolies. Mora, c'est un mec qui est bon, de toute façon. Euh, effectivement, l'intrigue me, me laisse un peu perplexe. Je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire de ce Bruce Wayne civil. Euh... Enfin, bah ça c'est dans Dark Après, détective Comics, ça, ça je te dis, ça va reprendre euh, une bon, intrigue plus conventionnelle. Lancer... Oui, bah, ça partira comme une... sur la même route. A priori, c'est pas d'accord. Non, je te dis, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on sait toute pas toute façon, dans quelle Detective mesure Comics ça, ça a longtemps été le titre un petit peu euh, un petit peu sauveteur de, de Batman quand Batman n'était pas forcément toujours en très grande forme. Là, moi, je trouve que ça reste, euh, c'est voilà, c'est une série solide en général, mais on met des gens qui sont relativement bons dessus. Ils font des choses plus ou moins mémorables, mais il y a rarement des trucs vraiment achetés dessus, je trouve. Ouais, bah sur les derniers runs, je suis pas forcément d'accord avec. Mais pas le... du tout, merci, hein. Par contre, je précise Ouais, je bah, bah, à... bah pareil, ah, okay. euh, pareil. Il y a eu le truc avec euh, le Year of the Villain, et il y a un arc notamment avec. Euh... Mister Freeze et sa meuf qui est du coup qui est ranimée, Nora Freeze et qui devient la, la Madame Freeze, quoi, mais avec le costume et tout ça. C'est de la merde, <laughs> c'est horrible. Ouais, mais bon, Thomas, il ne veut pas être dans partout. Hein. Non, effectivement, non, mais c'est plus que par rapport, c'est toute la directive Yara qui a flingué pas mal de séries ouais, là, 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 pendant l'année. Après, là. voilà, en tout cas, au moins, ce sera beau. Ouais, ça, ça, ça va être beau. Il y a un autre titre qui, va être, euh, qui sera beau aussi euh, dans, en Future Stage, je pense. Ce sera euh, le titre Harley Quinn euh, qui va être relaunché. Ah là 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 là. Alors, Harley Quinn, c'est deux situations différentes, puisque pour le coup, euh, quand le relaunch arrivera, ce ne sera pas le même artiste qui officiera euh, par rapport au titre euh, Future State. Euh, donc, euh, grosso modo, ce qu'on va avoir par contre, c'est Simone Dimeo euh, sur les dessins pendant Future State et les planches, effectivement, qui ont été dévoilées sont folles. Elles sont, ouais, elles sont très, très, très jolies. Mais par contre, en mars, donc, euh, on gardera l'autrice Stéphanie Phillips euh, au scénario. Mais par contre, c'est euh, Riley Rosmo qui dessinera la série. Est très bien aussi. Ce qui, pour moi, me convient parfaitement. Je sais que tout le monde n'aime pas Riley Rosmo. Dans notre auditoire, mais euh, personnellement, c'est vraiment un énorme. Ça, ça peut être intéressant parce que heureusement il fait souvent du creepy, euh, ouais. du creepy parfois un peu mignon, mais quand même du creepy. Et ah, il est quand même, il a, il a, il a un imaginaire qui. Ouais, qui il, est assez un imaginaire, sombre, assez il a un imaginaire. Déje... En fait, il faut voir si ça part vers un, ima... un, un environnement monstrueux. Tu vois ce que je veux dire pour. Bah, pour serait, de ce, 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 ce sera chouette. ce sera chouette. Mais même quand il crée des personnages humains entre guillemets, il est quand même régulièrement dans le creepy. Donc euh, non, bah, bonne bonne chose. Et effectivement, les planches de Diméo sur. Euh... Sur ces cours numéros d'Harley Quinn, enfin euh, ça, ça ça déboîte quoi. Mm. Les limites. Et tu vois tu vois l'affiliation avec euh, avant, quoi, tu vois avec, euh, Scalera, quand même pas mal. Ah dans, oui, oui ouais, bah, style les couleurs aussi c'est la même palette un peu pastel ouais. et tout mais après c'est quand même plus euh, c'est plus fluide que ce Scalera je trouve mm. après c'est peut-être l'ancrage qui fait ça hein, parce que il y a vraiment ce côté dessin animé sur, euh, sur Dimeo qui, qui passe super bien quoi. Mm. il y a une autre série aussi hein, qui change d'équipe créative mais qui elle n'est ne pas relaunchée mais qui reprend sa numérotation euh, initiale un petit peu comme Wonder Woman euh, ou, euh, ou Detective Comics ce sera le titre Batman Superman euh, porté par euh, jin Luen Yang donc euh, le scénariste de euh, New Superman de Superman écrase le clan euh, grosso modo bon il gars, avait fait bon aussi gars. les terrifiques après euh, Jeff Lemire, ouais, c'était moins bien ça. Euh, bah, ah ouais, moi je suis pas d'accord. En fait, le, le, le début de sa reprise était moins bien, puis après il a fait tout un art ah, avec ouais. le Bizarro World où il maîtrisait vraiment l'écriture Bizarro. Incroyable, trop okay, marrant. Beaucoup, moi, tu sais, quand on de pages, je le suis pas par obligation, donc j'ai juste lu le début ça m'avait pas. Mais c'est un mec qui ça peut être très bien comme ça peut être très passable. Il est, il est bon quand il est motivé. Espérons que ce ne sera qu'à cette fois-ci. Mais, mais ben tu, tu, vois, tu vois en tout cas très, que, très pour, que, que pour le. le, 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 le c'est pas une relance du coup, mais pour la, la reprise du truc, vu qu'avant c'était Joshua Williamson qui écrivait déjà, on upgrade un petit peu la qualité d'écriture à mon sens, puisque je pense que même ouais. un mauvais Jin Lang Yang reste meilleur qu'un qu qu Williamson euh, euh, en, en pilote automatique quoi, euh, sur, euh, sur DC. Euh, par contre, avec Ivan Rice, je me dis, ouais, l'équipe, elle est lourde, quoi, tu vois. Je me Evan dis, Ivan euh, Rice. Ivan il... hein Rice, Rice J'ai dit quoi Ivan Rice. Oh, bah, je dis ce que je veux, non plus. Je... <laughs> mais, euh, mais je me dis quand même, enfin, ça, ça mériterait presque un, re un relaunch, en fait, euh, d'avoir euh, Ivan euh, Rice euh, qui, qui débarque sur la tien. Donc, euh, c'est marrant de me dire qu'ils le, il le poursuivent comme ça, sans, sans créer plus d'événements, tu vois. Je... Mmh, non, effectivement. J'ai pas un avis très. Euh, non, effectivement, j'essaie de, de voir si t'arrivais à dire quelque chose. Mais euh, du coup, si ça avait été Alan Moore, euh, tu penses que. <laughs> ça aurait été surprenant, quand même. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Si ça avait été Richard Corben ah bah non, c'est pas possible. Frère. C est, c est bah pas non, pas possible. là. Bah, tu fais de l'humour euh, macabre, là. C'est toi un qui dis une connerie. Je, je rebondis sur ta connerie, c'est toi. Oui, mais t'es pas obligé de verser dans. Si c'était Jack Kirby, tu vois, qui faisait. <laughs> est-ce qu'il ferait un Je pour Jack Kirby putain je sais pas il aurait... non mais ben non est-ce qu'il aurait 100 ans si ah il était encore oui, vivant il aurait quand même plus de 100 ans donc euh, ça je pense que, que c'est serait... compliqué non mais cool quand même enfin je veux dire mine de rien on pouvait s'attendre à pire je trouve, vis-à-vis -vis de ce que. Des ouais, après cette année. Oui, oui, oui c'est sûr. Des, des petits efforts. Bah après, c'est juste qu'on l'avait déjà dit pour, pour Future State hein, c'était que les équipes créatives étaient plutôt pas mal. Après, moi, moi j'ai hâte de voir la suite quand même sur notamment les, les titres qui vont être annoncés par rapport à les absents, en fait. C'est-à-dire parce que ne on, on voit, voit plus de Jeff Jones, de Tom King, de euh, Scott Snyder même et tout ça. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure tous ces gens qui, qui étaient les plus en vue, même. Ah, euh, Brian Bendis, qui fait juste le segment Legend of Super Heroes dans, dans un des titres oui, Bendis, c'est étonnant, je suis d'accord. Par contre, Tom King. Bon, Snyder, déjà, on savait. Euh, non, partir. mais. Il ne partira pas totalement, c'est ce que tu veux dire. C'est ça, ça, voilà. Oui, oui, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, ce mec ces mecs-là, pardon, au bout d'un moment, rentrent dans la catégorie des auteurs et plus des scénaristes, des travailleurs productifs, etc., que tu annonces au débeauté, etc. Si, ou plutôt quand, Projet Snyder ou euh, King, il y aura, il sera annoncé séparément. Dans un truc qui justement sera là pour créer l'événement, pour essayer de faire un peu de bruit et tout. Là, en l'occurrence, ils bâtissent une ligne, de, une ligne de travail qui est. Enfin, tu vois, c'est des bons noms hein, pour la plupart. Les, les, les illustrateurs sont même assez talentueux. Hein. Mais il n'y a pas un truc qui vraiment sort de la mêlée. Euh, à mon avis, King, il va continuer. Il est bien chez DC, il pas de raison. Là, il a encore Stranger la Nature à finir et Batman Catwoman. Ça va encore lui durer, même euh, Rorschach, hein, ça va lui durer une année pleine. Donc euh, ouais. peut-être que c'est pas encore le moment. Snyder, je pense qu'il essaie, essaie un petit peu de voir où est-ce qu'il en est par rapport à ses projets en Indé. Bendis, c'est surprenant. Bendis, ça m'étonne un petit peu parce qu'effectivement, mais peut-être que, peut-être que DC est pas très content de la gestion de Bendis. Euh de ces dernières années. Hein. Maintenant que n'est plus là pour... C'est euh, pas forcément de, le de, le de la gestion, mais plus des résultats, en fait, ouais, euh, de, de ce qu'il a fait ouais, sur les ventes. Bah, je pense euh, qu'ils espéraient plus, mais... Sur mais, les euh, imprises Wonder Comics, sur... Mais c'est con, il y a un truc, je te disais, je, je, je crois que je l'ai déjà dit, peut-être, dans, dans First sprint ou sinon je le, je le disais avant, mais euh, putain, mais les, les nouveaux volumes du Jinx World, il y avait des trucs mortels, euh, Cover, c'était mortel, Pearl, c'était vachement bien aussi, donc euh, j'aimerais bien qu'ils annoncent les, des, des nouveaux volumes pour, pour, pour ces séries qui étaient vraiment... Euh, bah, euh, ultra enthousiasmant et ultra quali euh, dans, dans les débuts de l'arrivée, justement, mmh, de Pendice bah. quoi Après, ça, l'avantage, c'est que vu que c'est lui qui gère les copyrights, il peut les emmener là où il veut pour les faire éditer là où il veut. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pu les, les emmener depuis Marvel jusqu'à jusqu'à DC. Ouais mais c'est pas pour les laisser juste faire un volume supplémentaire et puis basta. Non mais ce que je veux dire c'est qu'a priori DC pourra, ne pourra pas le bloquer. Tu vois si un jour il veut continuer à faire ça il le fera ailleurs c'est tout. Euh, ah. bah, maintenant mmh. quant à savoir si en fait oui je, je me demande vraiment si euh, DC a pas eu les yeux plus gros que le ventre parce qu'a priori ce qui se dit c'est que Bendy a quand même négocié un très bon salaire pour bosser chez DC et peut-être qu'effectivement euh, ils espéraient mieux mais en même temps encore une fois tu ramènes Bendis, et tu lui mets pas un Batman dans les pattes, c'est toujours un petit peu pour moi l'incompréhension de ce, ce mercato-là. Mais bref. Euh, en l'occurrence, je trouve quand même que sans être justement dans la paranoïa, le, le, le panel est solide. On va dire. Au moins au niveau dessin. Okay. On va voir si ça dure dans la durée. Comme les macarons. <laughs> J'adore cette vanne et <laughs> je ne m'en lasserai me fait jamais, ouais, jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce cool. euh, qu que je voulais te... Titans, Suicide Squad, Green Lantern. Oui, yeah, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les, les, les dernières séries qui ont été annoncées, donc euh, des relaunch hein, pour le coup, complètement pour, pour chacune de, de, de ces séries. Donc effectivement, avec euh, du Green Lantern, qui euh, voilà, une nouvelle série consacrée au Green Lantern après la donc la, la courte, euh, enfin. C'était pas mal hein, quand même, euh, 24 numéros en dessous de The Green Lantern euh, et The Green Lantern Season 2 avec euh, Grant Morrison et, et Liam hein. Sharp. Hein c'était mieux que pas mal. Ok, c'était vachement bien. Hein. Ouais, c'était excellent. C'était excellent. Bon, voilà. Moi j'ose le dire. Oui, bah, euh, <laughs> carrément. Euh, qui est donc là reprise aussi par, euh, par Geoff... Geoffrey Thorne euh, et Tom Rainey, euh, qui euh, veulent se concentrer a priori plus sur John Stewart. En tout cas, c'est euh, le, le postulat de The Last Lantern, ce qui est leur euh, histoire pendant Future State. Donc on ne sait pas trop s'ils euh, vont rester sur John Stewart euh, pour, euh, pour la, la, la reprise en mars. Euh, Tom Rainey, ouais, Tom Rainey, c'est pas ouf. Mais ça. Mais moi, il me semblait que j'avais lu un vrai bon truc au Tom rainy mais je... Ça n'a pas à me revenir. Et effectivement, là, j'ai un peu ces planches sous les yeux. Ça a l'air d'être du bon gros mainstream bien musclé. Euh, ouais, ça c'est peut-être un peu vieilli. Par contre, effectivement. Euh, mais je connais pas. Même le Geoffrey Thorne, ça me dit pas grand-chose, j'avoue. Je sens... sais, les grilles de lanterne. Moi, vraiment, il y a vraiment que le volume de de Grant Morrison qui m'a intéressé. Depuis, ça fait quelques années que je suis un, un peu en cale-sèche pour moi de, de mon point de vue. Après, je, je ne dis pas que c'est pas bien ou quoi, juste. Euh, post Jones, pour moi c'était vraiment compliqué de reprendre le, le, le navire en main j'ai l'impression qu'on a un peu tout dit sur ce univers là avec Jones. Peut-être que justement euh, Morrison il fait un truc différent donc quelque part c'est intéressant, c'est attrayant. Peut-être qu'il faudrait encore une, une vision très différente qui pose de nouvelles idées, un run de très long terme avec une, une vraie ambition de changer les choses, de regarder, je sais pas, ramener une nouvelle couleur euh, <laughs> ou ramener le crayon d'un ultraviolet. Mais euh, voilà, là en l'occurrence ça me finit chaud ni froid. Ok, euh, autre série, donc une Teen Titans Academy euh, okay. par Tim Sheridan et Rafa Sandoval, euh, donc, et qui sont également, euh, voilà, ça devient redondant euh, sur le titre euh, Future State Teen Titans, avec une académie donc, et, qui est formée par des anciens membres des New Teen Titans pour former la nouvelle jeunesse super-héroïque. Bon, le concept, on, ouais, on bah, si connaît, euh, euh, Future Foundation, euh, Spider-Man et X-Men. Cool. Il y a même eu, bah, même, cool, même, ouais. même de l'autre côté, tu vois, il y a eu la Strange Academy oui, chez Marvel ouais, ouais, assez ouais, récemment. C'est hein. pas dégueu d'ailleurs, hein. c'est pas forcément pas du tout une mauvaise série. Euh, Mais là, c'est plus l'équipe. Sandoval, à... j'aime bien par contre, donc je suis content. Et... Mais ouais Les séries scolaires un peu débiles comme ça, enfin, débiles, je, as su, je suis hyper négatif comme mec, c'est ouf. Ouais, euh, les séries scolaires avec un concept comme ça un petit peu préécrit. Ça va toujours dépendre du casting des, des jeunes héros. En fait, ça peut être une super série de lycéens, un super truc de high school, euh, de high school movie, entre guillemets. Ou bien ça peut être tout à fait inintéressant. Il faudra voir un petit peu de, de quoi ça sera fait. Même Flash, il y a eu la Flash Academy, euh, un truc comme ça. Non che, chez Williamson, il n'y avait pas genre Flash qui entraînait des jeunes Flash qui avaient les pouvoirs de Speedster aussi Ouais, j'ai pas de souvenir parce que je t'avoue que le, le <laughs> non mais je t'avoue que les le de Williamson vraiment t'a traumatisé hein. Bah c'est juste qu'à un moment il m'a gonflé que arrêté de le lire aussi bah, quoi en fait bah, euh, tu parce que et que ce dont j'ai ce que ce que j'en ai lu à force mais juste sorti de la tête parce que c'était quand même pas très pas très mémorable. OK. En, encore que comme je disais dans le dernier Backy Shoes, il y avait juste ce, ce petit annual qui était dans avec la saucisse Scott qui était bien marrant quoi. Mais ouais sinon c'est vraiment pas hmm. La Gotham Academy c'était bien. Ouais, ça c'était vachement bien ouais. Clairement avec Karl Charles Odésson, c'était génial. C'était un... ouf un... et donc le... et justement, bah, je, je mentionnais la Suicide Squad, c'est parce que. Ouais. Dans le dernier Bacchus, on parlait du Suicide Squad de, de Tom Taylor, donc euh, qui se terminera au printemps prochain chez Urban Comics en VF, hein, vu que c'est juste 11 numéros. Euh, et, et du coup, de... un, relaunch, ouais. un relaunch, forcément bah, normal, puisqu'il y a un film qui s'appelle The Suicide Squad qui arrive euh, en, en août prochain avec James Gunn à la Real. Donc, bien entendu, DC Comics ne pouvait pas ne pas relancer l'équipe. Sauf que là, du coup, c'est une équipe un petit peu particulière hein, qui, qui va nous être présentée. C'est l'équipe du film. Ben non, pas complètement. Alors déjà pour l'écriture, c'est Robbie Thompson qui s'occupait de Silk et Spider-Man Deadpool, donc très axé sur l'humour, qui qui donc qui sera là. Et Eduardo Panzica qui sera au dessin. Et surtout, ouais, l'équipe fait un peu rappel, surtout le film, parce qu'il y a Peacemaker en lead, en fait, tout simplement. Sachant que le bonhomme interprété par John Cena au cinéma... Aura droit aussi à sa série sur HBO Max. Mais après, tu vois, t'as as Bolt qui est quand même un super vilain secondaire, voire tiercère. T'as un talon de, de la cour des hiboux. Alors ça, euh, ça, je comprends pas. T'as as Shrike, euh, a priori aussi, qui est. Euh... Shrike. Non, Shrike. Non, Shrike, ça, ça se dit Shrike. T'es sûr de toi ah Oui, je suis sûr de moi. Hum, vu l'écriture, vu ça Non, non dit... mais j'ai raison. Je suis pas sûr. Enfin, bref, <laughs> c'est juste un, un, un sous-fif de blockbuster, un, un gros méchant. c'est le de... principe de la Sujet de, de, de Blue De Quatrième Zone. Oui, mais il faut quand même avoir un Bronze Tiger ou un Deadshot minimum, tu vois, parce que là. Le, le, le... Et ensuite, t'as un autre membre que j'ai pas réussi à identifier parce qu'il a l'air assez lambda aussi. Il mmh. y a euh... Pleurley surtout. Il y a déjà il y a plus Harley ouais donc ça c'est un peu surprenant après c'est peut-être juste une couverture et que elle va revenir après puisque ça serait quand même bizarre oh, avec, content, oui. avec la façon de fonctionner de DC Comics de ces dernières années a quand même essayé de enfin, de, enfin des, des éditeurs de mainstream en général d'essayer de d'avoir quand même un point d'attache euh, je trouve ça super bizarre de pas intégrer Harley Quinn alors que c'était quand même euh, leur, euh, leur leitmotiv de la Suicide Squad depuis le, le relaunch des New 52 et ah, vu qu'il y a encore ils ont lu les comics qu'ils ont édité et qu'ils se sont aperçus que c'était une idée pourrie mais non, parce que dans, dans Tom Taylor, ça marche très bien. Mais c'est Tom Taylor, tu vois. Robbie Thompson, c'est pas Tom Taylor. C'est sympa, Robbie Thompson, c'est pas Tom Taylor. Ouais, mais déjà, pourquoi pour... Moi, je pense ils Déjà, faire, déjà ils pourquoi, faire ils, ont... Il... pourquoi, pourquoi voilà, ils ont dit à, à Taylor d'arrêter ça C'est quoi même... enfin, il a, il a, il a... Parce que la série Harley Quinn va devenir une série plus sérieuse et moins euh, fofole qu'avant. Et que du coup, ils arriveront plus à justifier l'ubiquité euh, permanente d'Harley qui va... Mais, je vois, je... mais non oui, mais tu sais en plus, sais plus ah, sûr, et en, mange, en plus mais... on le sait que DC Comics a priori leur plan avec le relun c'est quand même d'être plus lâche euh, sur les principes de continuité et tout ça donc euh, justement de lâcher du lest donc on s'en oui, prend. si fait, on a ouais. si on a une Harley Quinn euh, campy d'un côté et euh, beau, plus brosson de l'autre bah c'est pas incompatible du tout mais moi je dis, bah, je dis pas le contraire, monsieur. Enfin, je dis pour moi. Bah non, les... bah alors arrêtez un peu, monsieur. <laughs> enfin, on s'entend plus penser de toute façon. Bon, après, t'as raison. Voilà, t'as toujours raison. <laughs> c'est le principe, c'est <laughs> pour, pour ça que je suis le patron. Euh, mais voilà, enfin, moi je suis pas chaud du tout. En plus, ouais, je trouve que mais là, mais là, mais là, voilà, la couverture, vraiment, elle est dégueulasse. Le... Oui, elle est vraiment pas dégueulasse. Le Peacemaker, là, il est moche qui <laughs> est pas beau. C'est un héros qui, héro qui est facile à rater parce qu'il a vraiment un design pas possible. Il faut un, beau dessinateur, un bon dessinateur, sinon euh, sinon ça Mais pas c'est pas un mauvais dessinateur, c'est juste que sa couverture elle est dégueulasse. Bah quoi. Euh, je sais pas si c'est un bon dessinateur, mais bref ok. Mais euh, surtout pourquoi virer Taylor? Tu vois, tu peux faire un relaunch numéro 1 genre Marvel. Se bah, ouais, il, là, il, il a annoncé qu'il avait un nouveau projet d'ici avec Bruno Redondo, du coup avec qui il a déjà fait euh, donc Injustice et le Suicide Squad, donc euh, peut-être c'est juste pour ça qu'il euh, qui s'en va. Mais euh, wow. ouais, moi je trouve que le volume de Taylor marche de ouf et je trouve c'est dommage de de bah pour une fois, plans, ils, ont re... enfin, ils ont enfin réussi à faire une suite qui marche quoi. Ouais. après il faut que je finisse après la série pour voir la conclusion après, non, mais pour peut -être, peut -être que après 30 ans à l'heure actuelle j'ai pas encore terminé le, le volume donc peut-être que la conclusion n'appelle pas une suite forcément par Tom Taylor donc euh, c'est peut-être pour ça qu'ils ont euh, décidé de, de oh, relauncher avec une nouvelle équipe créative des, où il a créé un, un panel de nouveaux personnages qui vont servir à rien maintenant bah, si 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 mais justement bah, euh, peut-être que la nouvelle série de Tom Taylor de Redondo c'est justement ah, une série révolutionnaire euh, c'est une série sur les révolutionnaires peut-être moi c'est Arnaud par mais Hein non, tu t'as dit habile, mais non moi, c'est Arnaud. <laughs> tu tu, tu, tu confonds toujours un peu les syllabes. C'est pas grave. Je me casse. Allez, salut. Non, tu te casses pas, tu te casses pas, puisqu'on va parler de Godzilla maintenant. Ouais, ouais, quoi, hein bah ouais, <rire> mon <rire> gars, c'est trop bien. Euh, alors, Godzilla, euh, ce petit monstre de merde là qui vient du Japon, euh, trop pourri, euh, j'aime pas du tout. Mais toi, ouais. t'aimes bien les, les, les ouais, bah, japoniseries ça, ouais. là, les trucs comme ça là Le mec, il est fan de Dark Souls qui dit ça. <laughs> mais Dark Souls, c'est hyper euh, occident, euh, européen du coup. Mais c'est fait par des Japonais Oui, mais, oui, mais c'est pas du tout. Un... software, ils sont japonais, non Oui. Ok, à ferme ta gueule. <laughs> mais non, mais leur direction artistique, elle est européenne, elle est bien franchouillarde. C'est pour ça que ça me plaît, tu le sais bien, je suis alsacien okay, okay, quand okay. même. Okay. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire par contre hum, Ouais, donc c'est IDW qui récupère les, les droits de Godzilla, tout simplement. Donc pour faire euh, bah, des comics, des jouets, des jeux de cartes, peut-être des jeux de plateau enfin plein, pas mal de choses. Mais c'est à eux que revient maintenant la, la licence qu'ils se sont associés avec la Toho mais, pour, euh... Euh, pour faire ça mais en fait euh, Godzilla oui. ils ont historiquement ils ont ils ont longtemps eu la licence de Godzilla chez IDW ils l'ont mais ils l'avaient perdue Il perdu ils ils l'ont reprise en bah fait bah voilà. elle retourne au, au bien les gars bravo je suis content bah écoute moi je la difficulté avec Godzilla c'est qu'effectivement c'est un personnage de cinéma qui qui joue sur le gigantisme et le, le décalage d'échelle la destruction de villes les effets un peu impressionnants etc c'est forcément moins impactant de lire ça en BD à moins d'avoir vraiment un mec qui sait dessiner de manière euh, créative inventive etc là en l'occurrence je sais pas vraiment euh, vers quelle direction ils vont aller Par contre, bah, le, premier qui, deux... le premier titre qui le premier titre qui a été annoncé, c'est Eric Burnham qui l'écrit et Dan Shining au dessin, euh, sachant que c'est des mecs qui étaient notamment euh, sur Ghostbusters, la série, et puis la couverture, tu vois le, le Godzilla qui a l'air assez gentil, avec mignon. avec des gamins autour, c'est plus une série jeunesse qui est un peu tu sais dans la, la veine des Godzilla quand euh, c'était vraiment des films pour enfants hein, à ce moment-là, tu vois. Oui, bien sûr. Bah, ça, à la limite, ça peut être un peu original parce que c'est vrai que les Godzilla, euh, Rulers of the Earth, euh, ou enfin, tout ce qu'ils ont fait grosso modo, c'est c'est difficile d'être cru d'être méchant parce qu'effectivement c'est pas que de leur faute. Godzilla c'est un univers qui, qui se prête bien à la fois à l'animation au cinéma mais en BD c'est dur un peu d'imaginer comment tu rendrais Godzilla intéressant. De toute façon le principe de Godzilla c'est justement d'avoir des, des personnages humains inintéressants qui sont en fait juste un véhicule narratif pour mener vers ou créer de l'enjeu autour des batailles de monstres géants. Euh, ça, c'est un problème récurrent, c'est un problème que même le cinéma hollywoodien n'a pas réussi à contourner. Mmh. Euh, donc voilà, non, moi j'attendrais plutôt la série Netflix, euh, la série Netflix qui est en préparation là. Attends la série Netflix parce qu'il y, a... <laughs> y a eu des, des films d'animation, non oui, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est une autre franchise. Enfin, c'est un reboot avec euh, une, autre, une autre équipe créative. D'ailleurs, c'est le studio euh, Orange qui a fait notamment les dessins de My Hero Academia, Space Dandy. Il faut mettre la qui va travailler dessus. Ok, d'accord, cool. Donc ça peut être vraiment bien. Limite, ce euh, serait intéressant de voir si si IDW peut faire du comics dérivé de ce truc-là. Même si ce serait plus stylé en manga. Moi, j'attends toujours un vrai bon manga Godzilla par un, un dessinateur euh, stylé. Donc voilà, dans l'absolu, euh, l'idée de faire un truc pour, euh, pour enfants peut être plus intéressante à la limite que ce qu'ils avaient déjà fait par le passé, les, rouleurs, les Rulers of the Earth et compagnie. Euh, à voir. Ok, voilà. Parce que moi, si tu veux, si veux j'ai des, des idées de, de scénarios ouais, ouais. que, que je ouais, pourrais je te proposer, tu vois, je me dis... Alors, pour, si vous ne comprenez pas, c'est que là derrière c'est-à-dire qu'en fait, euh, pendant l'enregistrement de ce podcast, on a perdu 10 minutes d'enregistrement de, pendant laquelle je faisais euh, plein de blagues sur euh, Godzilla à l'école, ouais. euh, Godzilla journaliste et euh, <laughs> Godzilla cuisiné et ça, fonctionnaire. Ça durait très longtemps. Et euh, c'était très très long. Je pense que le le Zoom, c'était... <laughs> c'est ça. <laughs> le matériel d'enregistrement s'est coupé de lui-même <laughs> parce qu'il a dit, on a marre de tes conneries. <laughs> enchaîne sur la suite et donc euh, voilà vous vous perdez vous bah, c'est perdu parce que c'est même pas une version préenregistrée donc euh, je pourrais même pas vous le mettre en post générique de ce podcast mais ce n'est pas grave il euh, y aura d'autres blagues dans ce podcast j'en suis sûr d'ailleurs on va euh, j'ai une question à te poser vous Corentin on va aller sur une blague <laughs> <laughs> J'ai une question à te poser, Corentin. Oui. Si je te dis euh, grand, parce que c'est un peu en rapport avec Godzilla, tu vois, vu qu'on parle de, grands, de, de grandes, licences qui sont adaptées aux comics. Euh, hum, si je te dis euh, grand monstre du cinéma d'horreur, <laughs> si je te dis science-fiction, Predator. Veux... Non. Ah, mais tu étais, <laughs> étais presque, tu étais presque. Oh, Alien Oui, 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 tout à fait. Oui. Bah, alors, euh, Marvel a annoncé en effet un premier titre Alien. Alors c'est pas quelque chose euh, au... <laughs> en fait c'est super dur parce qu'on est en train de, re, de, de refaire en fait euh, une partie de ce qu'on a perdu dans ah, l'enregistrement. C'est c'est au mot près quoi. Et, et du coup de machine. Mec. Bah je suis, euh, je suis un robot. Euh, mais en fait donc voilà, on, on s'attendait un petit peu puisque Marvel avait annoncé euh, cet été avoir repris euh, les licences Alien et Predator à Dark Horse Comics. Alors tu vois moi ça me fait un petit peu marrer parce que j'ai vraiment cette image. <laughs> Cette image que j'aime que j'aime bien de, de Dark Horse, tu vois, c'est un peu dans la cour de récré, euh, bah, le gamin, le, un petit peu, le, le, le gamin un peu riche comme ça, oui. euh, ou qui, a... qui, se, qui se ferait <rire> <rire> qui se fait un petit peu bouilli, c'est-à-dire que bah, il a son sandwich Star Wars il a son sandwich euh, Conan et puis il avait ses gâteaux Alien et Predator et là bah du coup t'as Marvel, euh, qui... <laughs> <beaucoup de sandwich, rire> <laughs> Marvel qui vient t'as Marvel qui lui met des, des droites et des rousses comme ça et puis euh, euh, l'année voilà, dernière il lui prenait enfin il y a quelques années il lui reprenait Star Wars puis euh, tu vois et au CM1 bah, il lui a piqué euh, Conan et puis là donc on est au CM2 avant le, le passage le riche, au le collège quartier, ouais, ouais, ça, ouais. et ben bah, il lui pique euh, les derniers gâteaux qu'il <laughs> avait okay, Kevin Feige il a un peu une dégaine de boule <rire> <rire> mais en même temps Kevin Feige je suis sûr chez lui il met sa casquette à l'envers qu'est-ce que tu crois ouais bro c est, c est ça. Non, mais voilà c'est bon on a sauvé tout le sketch <laughs> les, les gens ne peuvent pas se rendre compte à quel point on répète la même chose c'est pas beaucoup lui hein. la deuxième fois hein. En fait, en fait, ça marche très bien. C'est juste que comme tu rigoles, parce que t'arrives pas à garder ton sérieux, euh, ce qui montre qui bien qui de nous deux. Et... Mec, Les gens te voient pas ta gueule au moment où tu te rappelles exactement de ce que t'as dit ou tu refais avec la même intonation en souriant comme un gogol en mode genre. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est bon. <laughs> c'est ce qui s'appelle la mémoire instantanée ah, beau, et putain. le professionnalisme courant tout à fait tout à fait. ce que, tout, ce que tout, ça, tout ça pour vous dire donc oui. que euh, on savait que aliens allait forcément revenir en comics d'autant plus que en janvier ils ont commencé à sortir des couvertures variantes avec voilà euh, qui mêlent donc euh, les xénomorphes avec les différents personnages marvel il y en a qui sont d'ailleurs euh, plutôt réussi je trouve et donc là en mars prochain il y aura une nouvelle série Alien écrite par Philip Kennedy Johnson à qui on doit euh, The Last God donc euh, le dernier des dieux pour la VF qui arrive chez Urban on en reparle juste après et euh, par contre devine euh, un petit peu euh, qui est au dessin euh, Corentin j'ai envie de dire mise en situation euh, tu sais genre hé hey, Corentin euh, oui il va y avoir une série Alien en comics oh, c'est incroyable non incroyable. et devine qui c'est qui, qui va la mais moi je sais c'est le plus grand dessinateur de l'histoire des comics ah oui Charles Larocca la c'est <laughs> ça. C'est ça Larocca la C'est Trop bien. Attends, c'est pas outdoor. ouf quand même. Hein. Ah, ça le va. On est content. Hein. Mm. Alors je me demande vraiment <laughs> s'il va, va adopter tu sais, son, son style euh, pseudo photoréaliste ah non, ça, là. Non, blague. Quand, là, quand, tu, quand, tu piques ma blague que j'ai faite. Quand il quand il détourne euh, les, les visages sur Star Wars, c'était affreux. C'était ouais, euh... affreux. c'est -ce tu... sûr qu'il va faire ça. Par contre, oh, non. non sérieux, c'est sûr qu'il va faire ça. Bah, Alien, c'est une franchise cinéma. Donc ils vont forcément faire un truc à base de conneries dans le style. Après moi vraiment, donc là je vais encore une fois répéter, je suis vraiment triste pour tout le travail de, de Sap euh, qui avait fait en fait Dark Horse sur la saga Alien mais aussi sur la, sur la saga Predator en un sens, qui était, bon il y a des comics qui sont, qui sont moins bien je sais, pour Predator que pour Alien, mais l'allégorie du gamin qui se fait bully, moi je la trouve très très juste, je veux dire, Dark Horse c'est pas un groupe qui a les moyens de lutter financièrement contre la, la prise de pouvoir de Disney sur les franchises. Euh, mais ça veut pas, ça veut quand même dire enfin, ça veut pas dire qu'ils faisaient du mauvais travail ils ont du très bon travail sur les comics aliens il y en a plein qui sont considérés comme des ajouts très pertinents et intéressants aux mythe du xénomorphe. Tu sais que même récemment, tu sais, il s'était lancé dans euh, l'adaptation en comics des scripts originaux des, oui, des fait films fait, Alien ouais. 3 et Alien même. Donc bon, euh... le Alien 1, ben, le Alien n'était pas non plus dingo. Enfin, justement, en fait, c'est quand tu retires l'imaginaire de Giger, mmh. de l'équation, ça rend un peu moins bien. Mais tu vois, on avait eu du mignola sur Alien, on avait eu du Gabriel Hardman, comme tu l'avais si bien dit. Du James euh, Toko aussi. Du hein. James Tocco effectivement. Donc, euh, les mecs ont quand même fait du bon boulot, on des bons artistes, des bons scénaristes, et ils ont aussi posé l'esprit de crossover, je veux dire. L'esprit Alien vs Predator, qui fait que du coup maintenant les, les franchises sont un peu jumelées, ça vient de Dark Horse. C'est un comics au départ, avant d'être le jeu vidéo de la saga euh, Saturn de la Jaguar, et puis après de devenir du coup la franchise au cinéma. C'est eux qui ont créé ça. Enfin, la saga Alien, je dis pas que c'est les bons films, hein, mais économiquement ça a bien marché. La saga Alien doit beaucoup euh, au travail de Dark Horse. Et ouais, moi ça me fait carrément chier. Euh, que ça se fasse comme ça et surtout avec la roca à la limite tu vois je pense que, Parce que, ce, que ce que je dis aussi c'est que tu vois c'est que as une méga couverture de New Clique qui est vraiment plutôt très jolie mais que ouais à l'intérieur ça risque d'être un peu dégueulasse quoi bah oui. et puis il y avait des mecs meilleurs que ça pour prendre pour, pour faire de l'horreur comme ça, il est bon hein, Kennedy Johnson c'est un bon c'est un bon artisan comme on dit, c'est la différence entre artiste et artisan, pour moi il a, il a fait des trucs bien, notamment en Inde, mais il a pas encore fait un truc qui mérite grosso modo une sorte de, de couronne ou de, de, de blanc-seing comme on dit en politique Bon, Alien, c'est un truc auquel je tiens un peu. Bon, je préfère Predator, hein, personnellement, mais euh, vraiment, je, ça me fait chier, quoi. Je, j'ai un peu du mal, si tu veux. Pas à... content, là, Corentin. Hein. Bah, aussi, après, il y a, a l'histoire des comics Star Wars qui, qui me reste en tête. Moi, j'ai pas tout lu. Je suis pas voilà, coucou Guillaume, coucou République, etc. Qui vous, je savais, je sais, des très gros fans des comics Star Wars et il y a des, des choses bien, des choses pertinentes, etc. il y a le docteur Afra, etc. mais dans l'ensemble, moi, je trouve quand même que c'est pas non plus dingo. les comics Conan de Marvel non, parce que dingo c'est ah, <laughs> non, <laughs> non, bravo euh, les comics Conan ne sont pas non plus euh, de la frappe euh, générale. en tout cas, c'est pareil, ça va pas forcément chercher aussi loin que ce qu'avait fait Marvel à, à l'époque où ils avaient eu la première euh, la première licence Conan au début des années 70. donc là, euh, encore une franchise, encore de la diversification, encore des des séries qui vont peut-être être bien, mais pas forcément top. Et puis la roca, oui, quel, quel, quel signal affreux envoyé, genre, ta première alien, est envoyé. J'ai interprété série céréalienne, c'est quoi C'est la salade dans la roca. quoi. C'est quand même d'une tristesse absolue. Ouais, c'est pas ouf. Donc, euh, ouais, wow, pas content. Voilà. Pas content. Non, pas content. Bon, allez, bah content du, donne, donne, du coup. Non, moi je suis pas content non plus. J'adore Alien, vraiment. Alors, suis... c'est vrai que je suis pas du tout connaisseur des. des, des assez connaisseur des comics euh, tous sortis chez Dark Horse, parce que j'en je, voilà, ai quelques-uns, euh, notamment édités en VF par Vestron, qui fait des petits formats euh, souples, pas trop chers, et plutôt cool, du coup, donc, euh, que je vous recommande. Mais euh, voilà, mis à part euh, là celui de, de Stoko de, de Hardman, euh, j'en ai pas lu des masses non plus, donc euh, j'ai pas non plus tout, tout le background que t'as. Mais clairement, juste sur l'annonce, ouais. Euh... Salvador Laroque, pourquoi, pour, pourquoi vous faites pourquoi ça il bosse encore ouais, encore pour... Pour... Mais tu sais pourquoi <laughs> il bosse Alors en plus, il y a des débats un peu sur la personnalité parce qu'apparemment, il crache euh, allègrement sur ses collègues. Euh féminine du coup dans l'industrie donc euh... non non genre genre il dit, Après, il dit... Genre, il dit... non non il non les... non, bah non parce que là je pense qu'il se sera fait virer oui, sera mais bien. en gros il a des mots pas du tout pour ses collaboratrices euh, mais a priori s'il si, est encore embauché c'est parce que bah, il respecte les deadlines hein, tout, tout simplement ouais je me demande s'il est enfin je je sais pas s'il a quand même un statut pas de rockstar mais de quand même d'artiste populaire il a fait des X-Men dans les années 90 et tout ça, je crois. C'est pour ça qu'il. Bah ouais. Euh, ouais, connu, ouais. Bah on parlait de Ron Garnet tout à l'heure. De Ron Garnet Tom Rainey Tim pardon. Tom tout à l'heure oui. Après au bout d'un moment le, le trait ne fait pas. Tout. Enfin l'historique ne fait pas tout. Mm. Euh, et effectivement, je n'étais pas trop au courant de ce côté euh, sexiste. Ça me, ça me surprend bon, ouais, tu pas. Moi, mais... tu, tu me fais une petite recherche sur Bleeding Cool*, sur la roquette, un casque. T'as les, ouais, ouais. les, eh les bah, témoignages qui, euh, alien, qui, qui, et... qui remontent voilà. quoi. Mais donc, bah, j'espère. En tout cas, je pense que ce sera pas la, le, le seul titre alien qui, 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 y aura. Il y aura aussi effectivement du Predator. Mais je pense qu'il y aura d'autres séries alien qui arriveront mmh, ou des mini-séries. Et puis ils font, ils font du reprint massif de tout le travail de Dark Horse. Ouais, avec des, des omnibus et tout. Ça, c'est cool. on prend, on prend le travail des autres et on récupère l'argent. Donc super. Ah, du coup, j'étais quand même juste vraiment content de pouvoir retrouver ces éditions qui ne sont pas forcément faciles <laughs> Désolé, à retrouver. Ailleurs, quoi, mais <laughs> mais, mais bon, oui, mais ça, ça s'entend effectivement. Le... Et lisez, lisez Batman vs Predator de, de Dave Gibbons et William Kubert. Ouais, et, et, ouais, et aussi et Archie vs Predator. Tout à fait, absolument. Qui est, qui est absolument. très très bien. Deux bons conceveurs. Et du coup, on retourne hein, du côté des Kaiju, mais pas avec Godzilla cette fois-ci, mais avec le nouveau titre en indépendant de James Horan, euh, qui euh, dessine notamment sur un titre qui s'appelle Rumble euh, de, de, de je ne sais plus qui, Arcudi, ça va John Arcudi pardon, et euh, qui se lance un petit peu. Ben, euh, alors, on va faire des parallèles vachement avec Big Girls hein, parce que c'est aussi un, un dessinateur qui devient auteur sur sa propre série. Euh, c'est un titre qui met en scène des Kaiju, euh, donc ça s'appelle Ultra Mega. Euh, histoire de, ouais. voilà, de, de mettre carrément le gigantisme dès le titre dans, dans, dans la chose euh, et qu'au grosso modo dans un futur plus ou moins lointain il euh, y a une maladie euh, qui sévit une, une épidémie, tiens donc euh, c'est incroyable quand même tous ces comics qui parlent d'épidémie ces derniers temps je me demande bien qu'est-ce qui se passe qu'au euh, qui bon, pourrait la influencer ah, ça ça peut être ça. La, la bronchiolite être ça. <laughs> enfin bref une épidémie qui transforme les personnes qui sont touchées euh, en kaiju tout simplement euh, sauf que à la différence de Big Girls ce n'est pas les hommes qui spécifiquement se montrent se, se transforment en, en monstres hein. là c'est à peu près n'importe qui qui peut être touché d'ailleurs dans les premières planches qui ont été dévoilées par Image Comics on voit que c'est une jeune dame qui est, qui est atteinte du, 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 de ce virus qui la transforme en monstre et donc pour lutter contre ces monstres géants eh bien il faut l'unité ultra méga grosso modo il faut donc de trois personnes qui sont dotées de super capacités notamment bah, celle de devenir aussi géant de devenir un peu des Ultraman oh, tout simplement et donc euh, bah, comme dit il y a des similitudes Clairement, de voir ce titre apparaître alors que Big Girls a commencé euh, sa publication maintenant euh, la 130 en Big Girls n'a pas non plus inventé le. Si, concept mais, mais, de mais, si mais si, mais euh, si. Alors, je sais pas si tu as fait, si fait l'historique des cailloux en comics. Bien mais sûr, oui, mais il oui. y a du coup. Euh, y est y a Godzilla eu... est un plagiat de Big C'est ça, bah, c'est euh, ce que je voulais dire en fait. Même, tu sais, euh, comment s'appelle ce truc-là, Ultraman, euh, pareil. Mmh, c'est ça. Tout, tout, tout. Le tout a découlé de Big Girls. Non, mais bien entendu, mais ce que je veux dire, non, mais c'est qu'à d'intervalle, à très peu d'intervalle, tu vois quand même. Évangélion c'est big girls aussi, mon gars. Bah complètement. se le dire maintenant. Bah bien sûr. Mais est-ce que <rire> japonais. <rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, tu, tu, tu vois deux concepts. Le fait que ce soit une maladie qui se transforme en kajou quand même, tu te dis, les gars, ils ont eu la grosso modo un peu le, le même délire dans 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 le cadre. Par contre, voilà, ces deux artistes avec des pattes différentes, mais qui sont tous les deux plutôt costauds, euh, clairement. Et je parle pas de la taille de leurs biceps. Euh, ils sont très forts dans ah leur. Bon dessin. Bah non. Euh, ils sont très forts dans leur dessin. Les planches montrées montrent que les planches montrées montrent ouais, pas, pas assez, terrible. C'est assez joli, ouais. Parce que... Très joli bah ouais c'est non mais c'est la a, double page euh, euh, elle fait, fait plaisir quoi. la bonne grosse dynamique de dessin de bonne bonne approche euh, tout ça donc ma foi j'ai envie de dire bah ouais mais balancer des comics de kaiju les gars on en veut on en redemande allez, allez. T'es chaud toi Moi, quoi ça me fait penser un petit peu à une sorte de croisement entre big girls et the max tu vois la la série the max c'est euh, ouais. le gros le gros strum stylé qui vit dans le dans l'inconscient d'une nana il euh, y a ce petit côté après c'est le violet et puis sais les gros yeux comme ça un petit peu l'ancienne les gros yeux qui font un peu masque de luchador aussi, mais quelque part qui font évidemment Ultraman avec la, la collerette bah ouais. euh, de Ultraman. Donc moi, enfin comme je l'ai déjà dit, je suis vraiment très client de la BD de Kaiju et justement quand elle n'est pas de licence, parce qu'effectivement euh, sur les Godzilla, sur les, les Kong aussi, parce qu'il est a comme les King Kong, malheureusement, euh, c'est souvent un peu de la BD de back catalogue, etc. Quand un auteur indé justement fait de la BD de Kaiju, c'est généralement un peu plus créatif ou en tout cas un peu plus libéré. Mmh. Euh, J'ai encore un peu de mal à isoler le propos de ce, 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 Cette intrigue. Ouais, bah, ça a l'air euh, un peu basique, hein, me dit comme ça. Justement, n'y qu que... aura un propos mm -hmm. Parce que si une mec se lance à l'écriture, il y aura forcément un truc qui va, qui, va, qui va passer, que ce soit volontaire ou involontaire. Bah, Peut-être que Big ce Girls, sera un, un truc. Que... Clair, quand même. Oh, bah Sur Biggers, ouais, mais Biggers, c'était clair dès l'intention, ne serait-ce que par le pitch. T'avais un pitch au féminisme, tu vois. Alors que là, le pitch, c'est juste un pitch au kaiju, quoi. Bah, Peut-être que ce sera un pitch pandémique Peut-être, ouais. Peut-être que ça va parler de la gestion de la pandémie de kaiju euh, mm -hmm. par. Euh tout à fait mais comme on l'avait déjà dit voilà donc ta big tu c'est effectivement euh, giga aussi ouais giga euh... ça a l'air mortel voilà Je sais pas si ça démarrait déjà mais ça l'air trop bien tu as donc euh, les 24 score oui euh, oui aussi oui no heist no heist ouais pardon ouais. mais tu as, as, as les deux je crois et le commissaire on avait parlé chez euh, Urban Kids Giants giants voilà c'est pas urban kids c'est urban link urban link pardon donc tu as quand même une bonne ligne euh, une bonne ligne de BD de Keiju qui sort régulièrement avec euh... Ben, un vrai respect pour la, le mythe japonais en fait plutôt que de faire la répression culturelle les mecs rendent hommage aux trucs originaux donc c'est toujours cool euh, c'est toujours des BD assez esthétiques qui donnent lieu à de magnifiques double pages moi je suis vraiment content voilà c'est ce genre de BD là que, 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 que j'attends maintenant ouais clairement ouais. ça fait bien plaisir plaisir pardon donc ce sera à découvrir en mars prochain chez Image Comics c'est un autre titre qui a l'air plutôt cool en tout cas euh, plutôt euh, enfin, genre, je trouve l'annonce plutôt sympathique ça s'appelle euh, Shadecraft euh, donc c'est un titre de Joe Henderson et de Lee Garbett ce qui est donc l'équipe c'est l'équipe créative du titre Skyward euh, publié chez Image Comics qui avait reçu le prix enfin non qui, a été, qui avait été nommé pardon, aux Eisner Awards comme une nouvelle meilleure série et qui est publié en VF chez euh, iComics. On, on vous en a parlé d'ailleurs dans plusieurs Back Issues parce qu'on aime beaucoup avec cette héroïne Willa qui évolue dans un monde où la gravité a disparu du jour au lendemain et qui essaie donc de, de, de la rétablir. Alors que euh, cette perte de gravité a euh, provoqué pas mal de chamboulements sur la façon de, de vivre des gens, don, et sur le de très gros insectes, avec voilà, aussi voilà. le développement de, de la nature euh, particulier. Donc, on vous invite à retrouver ça chez iComics. Hein. On vous renvoie au Baki Shoes euh, pour une présentation plus détaillée de la série. Et donc, il se retrouve chez Image Comics pour un titre qui s'appelle Shadecraft, euh, qui donc nous met aussi une, une héroïne euh, en avant, donc un personnage féminin, Zadie Lou, euh, qui est une jeune fille, une adolescente euh, qui a des problèmes d'adolescence. Comme tous les adolescents et toutes les adolescentes, mais qui en plus a un peu peur de son ombre. Alors tu te dis, bon, c'est un petit peu bizarre qu'elle ait peur de son ombre, pourquoi Je veux dire, euh, euh, voilà, euh, chacun ses phobies, mais euh, en fait, ça commence un peu à se, à se comprendre quand tu, comp quand tu vois que les ombres, en fait, dans sa ville, en fait, bah, commencent à, à s'émanciper un petit peu, à prendre forme, à prendre vie, et surtout bah, à attaquer les gens, et notamment euh, Zadie. Donc c'est un peu le, le concept. Voilà, c'est un titre d'horreur euh, et jeune. jeune Jeune ado qui du coup euh, voilà, est vendu un petit peu comme, euh, euh, enfin, comme un truc qui pourra plaire à la fois aux fans de euh, euh, Sabrina, l'apprentie la, sorcière, mais aussi euh, Something is Killing the Children. Pour le coup, tu vois, c'est carrément le genre de titre que je vais réintégrer euh, Urban Link dans la même continuité, justement, de, de Something is Killing mm -hmm. the Children. Ça a l'air plutôt plutôt sympa, et surtout les premières planches mm -hmm. bah voilà, montrent que Lee Garbett est toujours en forme sur les dessins. Donc c'est bien ce qu'il arrive quand même à bien gérer ses projets entre 1D et mainstream, parce qu'il faisait du, euh, du Captain Marvel avec, euh, avec Kelly Thompson, où c'était plutôt, ma foi, plutôt joli euh, dessiner, même si l'arc n'était pas, pas forcément le, le plus ouf de, de, de tout. Mais là, avec Anderson, ça a fonctionné sur Skyward, donc je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas sur euh, Shadecraft. Carrément. Carrément, carrément. C'est tout. C'est plus ton délire, je pense, Les, ce genre de série d'horreur un peu rurale et un peu adolescente. Moi, je joue pas, c'est pas forcément, je suis pas le public cible, tu vas dire, tu vois, je, tu vois. Après, ouais. euh, j'attends encore de, de vraiment euh, finir Skyward déjà pour euh, avoir un avis complet, mais c'est vachement bien et je, voilà, moi, je conseillerais déjà aux gens de découvrir Skyward et ensuite de suivre la carrière de ces deux personnes qui sont ma foi fort talentueuses. Et pourtant, c'est quand même le showrunner de Lucifer. Mais ça veut rien dire. Non, mais c'est quand, quand même incroyable. Quoi. Ouais. Bah, ouais, mais ça prouve, ça prouve bien que dans la vie, on peut faire tout et rien. Et qu'il il euh, faut pas s'arrêter à juste euh, un constat général sur la carrière de quelqu'un. C'est un peu la, 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 la dichotomie de, voilà, de, de certaines personnes qui sont capables de faire des choses grandioses et des trucs tout pourris à côté. Mmh. C'est Comme... une transition non, pas, ah du non tout. pas du tout. Ah non bah pa... Ah non bah non. Bah okay. non pas pas tu me pas... regardais moi, tu voulais tu voulais dire que moi je fais ça en fait Ouais, mais j'étais en train de dire est-ce que je, est je, je peux sur l'amour à enfin, Des fois je fais des front pêche pourries Ou je suis de mauvaise humeur. Ouais, par exemple. Voilà, ça. Voilà, <laughs> ça, 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 tu ça. Non, je pensais plus à Jorge Céschoun, tu vois, qui, est, qui a été scénariste sur Gotham oui, et oui, qui oui, euh, oui. a euh, lancé Tikaïuri, tu vois, donc, euh... Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas non plus un immense scénariste, Céschoun. Ouais, mais euh, même son plus mauvais bouquin n'est pas à la. Enfin, je veux dire que. Même son meilleur épisode de Gotham est moins bon que seul, le moins bon de ses bouquins, tu vois ce que je veux dire? Mmh, tellement, tellement Gotham, c'est de la merde. Allez, euh, on passe du côté de la VF <laughs> avec une petite news. Alors, je sais pas si c'est pas forcément le genre de truc qui, qui, qui te motive, mais il y a une plateforme qui s'est lancée il y a un an qui s'appelle Bayday, Day, euh, donc qui a été fondée par. Euh, Sébastien Ruchet et Thomas Astruc et euh, Thomas Astruc en fait c'est le mec qui a créé la série d'animation euh, Miraculous euh, je sais pas si tu as entendu, tu as, dont tu as certainement entendu parler mmh. euh, qui est aussi une série de, de super héros euh, pour, pour, les, pour les jeunes on va dire pour les gamins surtout mais qui cartonne de ouf et en fait ils ont lancé donc cette plateforme Bayday qui propose euh, aux auteurs et aux autrices et aux artistes en fait d'aller créer directement leur leur BD de la proposer en ligne euh, avec euh, les modalités de paiement dont, Qu'ils veulent pour les euh, pour euh, les, les souscripteurs et euh, par contre en fait ils ont annoncé un programme de création originale là avec euh, surtout euh, chose assez amusante c'est euh, un engagement euh, pour que euh, les personnes qui se euh, rendent dans ce programme soient rémunérées euh, à... correctement mais c'est même pas enfin correctement j'ai pas conscience du tas du c'est 1600 ils ont dit 1600 euros brut et ce quel que soit en fait ce qui est produit tu vois je voulais dire par rapport où c'est la moyenne on va dire de la BD en France je sais pas trop ah je pense que c'est au-dessus en général c'est que en général les auteurs de BD n'ont pas de salaire ils ont une avance et en fonction des projets et de la stature des auteurs c'est pas du tout la même chose et surtout c'est pas quelque chose de fixe c'est à dire que même on te passe une avance par exemple même de sais pas de euros même si tu te rationnes bah ça te tient quoi 5 mois et, euh, et après, bah, tu, tu as bien ton loyer à payer et tout ça. Donc là, par contre, c'est leur engagement. Ils disent vraiment, si vous venez chez nous et que vous faites votre BD avec nous, bah, vous êtes rémunéré. Donc, 1600 euros brut minimum. Je crois qu'ils qu ont dit minimum. Et donc, voilà. Il donc y a pas mal de trucs, de, de titres qui ont été annoncés, qui ne nous, nous concernent pas forcément. Euh, tout, tout de suite mais euh, à la fin de la vidéo il dit qu'il veut développer effectivement aussi un univers de super-héros et sachant que c'est le bonhomme qui a quand même euh, créé Miraculous euh, qui, qui est là derrière et que je connais un des, des, un des storyboarders qui est sur cette série que j'avais rencontré à Lyon Comic Gun et qui m'avait présenté un visuel d'un univers de, de personnages de super-héros dont un qui était clairement assez inspiré de, de Spider-Gwen de ouf quoi euh, je suis en train de faire des connexions petit à petit et je me dis ouais, c'est peut-être euh, hein, là-dedans que ça va ouais mais en fait il faut que j'aille les, les, les contacter en, en loose dé pour voir si c'est bien ce que je pense mais voilà une, euh, une plateforme qui, qui se développe donc avec ce programme qui est aussi une partie euh, voilà avant ils faisaient juste l'offre de BD maintenant ils essayent d'éditer un petit peu la chose en nous faisant concurrence hein, puisqu'ils font une partie news euh, c'est vilain mais bon c'est pas grave on est, euh, on est euh, beaux joueurs donc euh, ouais. on en parle donc on vous invite à aller regarder euh, la plateforme en, en question parce qu'il y a aussi même des éditeurs euh, qui sont euh, enfin des éditeurs traditionnels on va dire qui sont en train d'intégrer la plateforme mais aussi de proposer leurs œuvres dessus euh, donc pour l'instant c'est plutôt des, des, des petits j'ai vu euh, enfin, sans, et sans jugement de valeur hein, mais et des éditions réflexion notamment qui, qui proposaient le euh, le, 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 ah, le, le, leur, leur titre Smart Girl de Fernando danino qui, qui, qui est dessus, j'ai repéré voilà, quelques trucs qui existent déjà dans, dans le comics euh, en France et qui sont en train de se développer là-dessus donc euh, une affaire à suivre Corentin je sais pas si toi tu es consommateur de BD en ligne ou pas, ouais, sur pas ce oui. genre de, de, pla de, BD de BD plateforme ligne, de Webtoon oui euh... ouais Webtoon tu, tu ouais, pratiques ouais, bien, ouais. parce que ça aussi ça va, ça va, ça, ça va... Beaucoup, beaucoup se développer, je pense, l'année prochaine en France. Hein. Ok. Ben, nous, nous, Mark, nous, nous, Mark, va... Mark my words. Je, je, on, on en reparlera. Attention à tes prédictions, hein, mais ouais, euh... ce n'est pas, pas tant des prédictions que j'ai des relations <laughs> avec des gens qui m'ont déjà averti, <laughs> grosso modo. Alors, en ce cas fais gaffe à tes ouais, euh, tout, euh, tout à fait. Dans ce qu'on avait dit par rapport à 404, justement, ou même à, à Comics Initiative qui finance aussi de la créer en France, c'est euh, parti même, au même élan, on va dire, d'essayer de, de créer des, euh, des connexions de l'imaginaire et de créer en fait de la BD en local qui s'inspire un petit peu de ce qui se fait ailleurs. Moi ça me fait, ça me va toujours, ça me plaît toujours effectivement la rémunération est assez intéressante et le fait d'avoir comme ça cette espèce de, de, de somme pallier qui permet aux auteurs de enfin aux auteurs ou aux artistes de savoir dans quoi ils s'engagent et de pas prendre trop de risques que c'est généralement le problème euh, démarrer la BD ou même vivre de la BD c'est toujours un risque que tu prends vis-à-vis -vis de bah, du coup, de la vie vis-à-vis -vis des aides, vis-à-vis -vis de, du public. Oui, puis les, les, là, les, en les, 2020, les mais... chiffres sont connus sur le fait que la plus de la moitié, je crois, des, des auteurs-artistes vivent en dessous du seuil de pauvreté Voilà, c'est ouais. ça. Donc, euh, quelque part, c'est quand même un très beau geste. Euh, faut espérer, limite, que ça donne un petit peu, que ça fasse tache d'huile, on va dire, euh, dans la profession. Euh, moi, je trouve ça toujours cool. J'attendrai un petit peu de voir ce qui nous concerne directement, et puis ouais. ce sera avec plaisir qu'on pourra en parler avec eux oui voilà clairement clairement donc on vous invite à consulter euh, ben, le, le site et l'application hein, pour, pour euh, nous dire ce que vous en pensez donc on suivra ça avec attention hein, dans les dans l'année à venir puisque voilà ils ont annoncé euh, tous ces plans pour, euh, pour justement euh, bien bien euh, activer les, les vapeurs là pour l'année 2021 et Allez, dernière news comics aujourd'hui avec Philippe Kennedy-Johnson, dont on reparle aujourd'hui pour aborder la sortie du Dernier des Dieux, donc The Last God, euh, un titre qui est publié chez DC Comics dans le Black Label et qui arrivera au printemps prochain euh, chez Urban Comics, euh, sachant que c'est une maxi-série en 12 numéros de Dark Fantasy qui aborde en fait euh, comment un groupe de héros a terrassé euh, justement ce, cette entité démoniaque, ce dernier dieu, euh, à un moment donné, et 30 ans plus tard, la menace ressurgit et le groupe doit à nouveau euh, réeffectuer le même parcours, sauf que bien entendu, ce ne sera pas facile. Donc c'est un récit où on suit à la fois ben, ce qui s'est passé dans le passé et dans le présent qui fait les liens. Et c'est une maxi série qui a aussi été enrichie euh, de deux numéros de the One Shot qui s'appelle Songs of Lost Children et Tales from the Book of Ages, puisque en fait, même dans les numéros, à chaque fin de comics, en fait, il y a des textes en prose qui viennent étendre cet univers. Donc c'est vraiment non, un plus. Il enfin, y a des cartes, il euh, y a une explication de. Moi j'allais y venir, mais de... <laughs> excuse-moi, je suis désolé. Vas-y, vas-y. C'est pas vas grave. Pas va grave. Va. Non, non, bah, vas-y. Ouais, il voilà, y a une explication de comment fonctionne les, la, le pouvoir local, les, les territoires locaux etc, quel roi fait ci, quel roi fait ça etc, et puis des, effectivement une sorte de, de, série, de, fin de série un peu univers euh, qui se donne les moyens grosso modo de développer un concept assez large et qui est vraiment très inspiré à la fois par le Chien des Anneaux et par Conan le Barbare mmh. de Robert T. Howard, c'est de la dark fantasy mais ça reste quand même assez médiéval et assez assez, assez guerrier notamment plutôt joli par euh, par ça oh, fait très, hein. oui, mmh. très Torgal je trouve au niveau du trait euh, peut-être en moins peint, hein, après évidemment. Non, mais le style, je veux dire. Ouais, non, non, j'essaye de, de voir, oui, pourquoi pas. Ouais. Vois, genre, par ouais. exemple, ça, ça, c'est très beau, tu vois, là, je te montre euh, ces pages-là, là, tu vois. Ouais, ouais. non, ça, non, non, mais il y, y a des pages qui sont Il y, y, y a bien. effectivement des moments où il se laisse des générosités dans la peinture, et après mmh. qui, qui se surplombent avec des, des, très plus, des pages plus crayonnées. Donc c'est là aussi que la série Univers intervient, c'est que vraiment, il essaye de même varier le style au sein, au sein de sa propre BD. Euh, donc la troupe d'aventuriers notamment avec un roi qui est, qui est, qui est l'ancien euh, guerrier et un mec qui, est, enfin, qui sort du pit de, euh, de l'arène De la fosse ouais, Voilà qui vrai. sort de la, de la fosse où il est un, un gladiateur reconnu donc vraiment à la Conan euh, C'est plutôt bien fichu moi j'ai lu trois numéros je t'avoue parce que encore une fois la fantaisie me, me, me laisse un peu froid en général Mais euh, ça fait bien le taf et effectivement c'est voilà, une espèce de croisement un peu bizarre entre, entre Hit de Stephen King entre Enfin pour le concept original évidemment euh, il m'avait semblé justement que la série devait accoucher d'un truc au niveau des écrans, mais je sais plus exactement où est-ce que j'ai entendu ça, donc je vais peut-être pas m'avancer. Peut-être sur Comics Blog. Ouais. Ou même, non, je crois que c'était Bleeding Cool qui en avait parlé c'était un, un projet sur lequel ils comptaient un petit peu mmh. mais euh, ouais, une bonne série de, de, de fantasy, pour les fans je pense que ça peut carrément faire le taf alors moi si je voulais en parler particulièrement c'est pas juste parce qu'ils l'avaient annoncé mais parce qu'ils euh, ont annoncé directement euh, d'emblée que c'était une série en 4 tomes sauf que quand tu regardes la composition du, du premier tome en fait il euh, y, euh, y a les 4 premiers numéros euh, et, euh, et du coup c'est proposé au prix de 17,50 mmh, euh... c'est pas, pas des numéros de 24 pages non, effectivement. Non, non c'est effectivement non, mais tu dis, alors, 4 tomes, en fait, euh, le truc, c'est que la structure narrative fait que, grosso modo, t'as quand même un arc, en fait, c'est trois numéros, grosso modo, as, à chaque fois, t'as enfin, des paliers qui, qui se situent dans l'histoire. Mais surtout, en fait, je suis en train de me dire, euh, par rapport à, à ce découpage et, et au prix et tout ça, je pense que je suis en train de, 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 de me dire que ça va être un format un petit peu différent de ce qu'on connaît. Ça va pas être mmh, un, pas sûr, mais... un, un format là euh, cartonné d'eau noir euh, comme, comme les autres, mais euh, je le verrai, en tout cas, je dé... le verrai vachement plus euh, vu l'œuvre euh, que c'est. Euh, de le proposer un format qui tendrait en fait à se rapprocher du franco-belge tout simplement justement tu parlais de Torgal avant mais on peut parler il y, y a plein d'autres œuvres de, 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 de fantasy, fantasy euh, ouais. qui, qui, qui existent là-dedans moi je pense juste à Eric ou Ribots, par exemple ouais, euh, qui est ouais, voilà mais donc de, de présenter un, un format plus grand pour essayer justement d'aller euh, attirer les lecteurs de, de bande dessinée de fantasy pour euh, les, euh, leur oh proposer bah, du franco justement vu le trait c'est tout à fait perméable justement aux mecs mmh un un peu barbu sachant enfin, qu'en plus c'est des métal et de fantasy qu'on a beaucoup chez nous donc euh... d'ailleurs euh, fait amusant et dans les bonus aussi il y a des chansons oui avec tu des euh... ça, ça va être bien pour les traducteurs <laughs> ouais, mais j'allais dire limite toi qui sais lire une partoche tu veux pas nous la tu vois tu pourrais tu pourrais enregistrer la, la musique de The Last God au saxo Ouais, mais je suis pas sûr que ça colle avec l'ambiance du coup. <laughs> ça pourrait être marrant de la fantaisie au sexo. <laughs> c'est un concept, c'est effectivement un, un. Mais du coup, ouais, après voilà, donc juste pour rassurer les gens, que ces 4 numéros, c'est pas 4 numéros 24 pages, ça va pas être un volume à 96 pages. Euh, et quelques bonus, c'est vraiment C'est des numéros, je crois, qui font. Bah C'est du 48 pages, si je dis pas de conneries. Mmh, ça, 40, ça dépend, mais, mais après, mais même si c'est des, des, des numéros de quatre pages, de, de, de pages, ce serait pas forcément le. Parce que si, justement, c'est 96 pages le, le, le premier tome avec les quatre numéros. Uh -huh. Donc, ouais, mais ce que je pense, c'est que ouais. ça va changer sur le format ça sera plus grand. Plus, plus... Bah, c'est la seule justifi justification possible en fait par rapport à ce, à ce découpage et, euh, et à la façon de. C'est pas du oversize non pas, non, non, pas systématique. non, okay. non Par okay. contre, oui. le truc, c'est que euh, ces numéros, tu as, as, as effectivement tous ces, ces contenus su, supplémentaires. Ah oui, oui, quoi. Bah, si vous aimez la, la, la fantaisie en prose, il y a vraiment. De... Mm. Dans chaque numéro, tu as environ moins 3-4 pages de bonus avec souvent du texte, des, des biographies, des poèmes, des anecdotes, etc. Donc, en fait, je les vois bien, tu vois, faire ça 3 tomes, 3 faire tomes, taf, tomes hein. pour découper donc, les 12 numéros en 3 parties ouais. et, avec, et un, et un tome avec euh, les, voilà, les one-shots en plus. Ouais, ça. Enfin, pas avec les bonus, mais avec les 2 les one-shots qui sont eux, par contre, oversight, clairement. Donc, okay. à voir, en tout cas, à suivre. On regardera ça avec. Attention. C'est un bon titre et je pense que justement ça peut être plus enfin, mieux reçu en France où on a cette tradition plus, euh, plus littéraire et média fantastique de la fantaisie qu'aux États-Unis où peut-être qu'ils ont préféré le côté Conan. Ou, ouais, le côté après, un, parce qu'il y a, quand même vraiment, y a une, un côté vraiment Dark Fantasy dans la, le design des strums qui sont parfois un peu insectoïdes et tout. Ouais, ouais. ouais. C'est vraiment non, pas dégueu hein, comme titre, mais non, euh, moi je sujet de si la fantaisie, je pense que ça pourrait carrément me faire kiffer. D'accord, il faudra parler un petit peu plus fort et mieux articuler si, Corentin euh, quand euh, même. Tu vois, hein. la fantaisie, euh, ça voilà. pourrait carrément me faire euh, kiffer. Allez on passe du côté des séries T avec oui. une news unique qu'on avait envie de traiter cette fois euh, pour parler de Naomi qui est donc une jeune super héroïne créée par euh, Brian Michael Bendis, David F. Walker et Jamal Campbell. Une mini série, enfin euh, il y a eu une première mini série, il y en a une deuxième qui doit arriver, euh, qui n'est pas encore arrivée en VO euh, et on espère qu'elle arrivera un jour. Euh, donc c'était une série qui, une mini série qui faisait partie de l'imprint Wonder Comics de Brian Michael Bendis pour mettre un peu en avant la jeunesse, la nouvelle jeunesse de DC Comics. C'était hyper bien, c'était hyper beau. C'est sorti déjà en VF chez Urban Comics donc euh, je vous le Recommande de ouf, même si j'ai pas eu le temps de vous en parler quand c'est sorti euh, il y a quelques mois, peut-être parce qu'on s'était fait virer, je me rappelle plus <laughs> à quel moment <laughs> c'était sorti. Mais bref, euh, vraiment, c'est hyper chouette. Et par contre, ouais, peut-être, euh, enfin surprenant ou pas, je ne sais pas, mais de voir euh, donc, euh, une série en développement donc, euh, pour la CW fait chier, mais par Ava Duvernay, donc, euh, qui est celle qui est en train de faire New Gods et DMZ euh, d'un côté. Et surtout, ce n'est pas Berlanti Productions qui est derrière. Et donc, ça, ça change peut-être, je ne sais pas, un petit peu la donne sur, euh, sur la qualité perçue du produit qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, c'est plutôt cool de voir Naomi arriver, qui est quand même un peu une sorte de. Mary euh, ben... Williams Ouais, j'aime même, même dire que l'entreprise c'était plutôt de, de donner une sorte de Miles Morales au féminin pour DC Comics, tu vois, dans, ouais. dans le registre. Mais oui, Riri Williams. Le, le swagger. Bah après, Riri Williams, c'est Brian de... Bendis aussi, en fait. Oui, bah oui. oui c'est voilà. ce pour ça que je fais la compétition. En fait, c'est un, un peu dommage de voir Brian Bendis qui a été un peu euh, genre le. le dans le même modus operandi créatif en fait pour ces, ces nouveaux personnages tu vois, en se disant bon bah ça a grave marché donc on va essayer de refaire la oh, même je, chose j'arrive quand même à trouver des différences entre Miles et euh, Naomi mais euh, je sais pas si non, mais non, mais non, Naomi, le... Elle est le mec a une thématique qui, qui l'obsède et qui, qui lui plaît c'est de mettre ses filles dans ses BD donc il crée des personnages qui sont inspirés par ses enfants qui sont latino-afro-américains latino euh, Il s'approprie les univers comme ça aussi tu vois, Quelque part, c'est comme les dialogues de Bendy c'est quelque... toujours un peu la même chose mais il le fait parce que c'est son signature move à lui, tu vois. Donc. Ouais. Tu vois, c'est comme Scott Snyder qui, dès qu'il arrive sur une série, tout se sont obligé de te dire qu'avant, il y avait un autre truc qui était plus dangereux et que moi, maintenant, je le ramène parce que je suis trop fort et tout. Tu vois, il y a des trucs comme ça, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Grant Morrison, il te met toujours un, un fonce dé un peu taré, tu vois. Mmh. Euh, alors, en l'occurrence, par rapport à la série, bon, je suis vraiment, vraiment, vraiment curieux de savoir si chez Warner Bros, ils conscience que qu'ils n'ont pas que la CW pour faire des projets. Euh, genre, ils ont une petite chaîne qui s'appelle HBO, qui est pas dégueu. Tu vois, c'est une petite chaîne comme ça qui rave des émis chaque année depuis. C'est entendent... quoi HBO C'est une petite chaîne. C'est moins bien que la CW. Ah, c'est moins bien. Mais tu vois, par exemple, En même temps, la CW. c'était pas si mal quand même. <laughs> en même temps, la CW, ils étaient là avant tout le monde, quoi. Non, même pas. <laughs> ah, si, non, t'as raison, excuse-moi. Ah, je, je, je comprends, je comprends. Je comprends, là, tu comprends ce que je veux dire. Je... Godzilla s'inspire dis là, c'est inspiré par la CW. <laughs> et Big Girl, c'est inspiré par la CW. Ouais, c'est l'origine du monde, dans la Bible, tu vois, c'est la CW qui a créé le monde en 7 jours et s'est reposé Après de. 2000 ans plus tard, ils ont fait des séries pourries. ça. Et non, en plus, la CW, c'est même pas une vraie chaîne. Euh, a... <laughs> c'est même pas une vraie chaîne. Ça, tu lui enlèves <laughs> le statut de vraie non, chaîne. C'est une chaîne qui, qui, qui a jailli du néant, suite à une collaboration entre Warner et, et un autre studio dont j'ai oublié le nom. Mais à l'époque, c'était The WB Network qui ouais. avait justement produit toutes ces séries un peu, un peu bébêtes pour les ados. Et en fait, ça, les a, ça leur a tellement réussi qu'ils n'ont jamais fait autre chose. Après, bon, bon c'est comme tu avais dit dans, dans le podcast euh, de bilan de la D23. De... <laughs> de l'Investor Day de Disney. Voilà, c'est ça, de l'Investor Day de Disney. Voilà. Quelle belle, euh... quelle belle, quelle belle célébration. Peut-être, on... <laughs> c'est les bons la thune Et le streaming. Peut-être qu'on n'est plus nous le public cible. Enfin, là, on n'a d'ailleurs jamais été de ces séries-là. était euh... ouais, déjà peut-être un peu vieux quand Arrow a démarré. Hein. Mais moi, quand j'étais ado, Smallville, ça ne me parlait pas du tout. Donc, moi, je pense que j'ai jamais été. Euh, moi, j'ai déjà dit dans, dans un autre podcast, mais j'avais pas le droit de regarder la télé, donc euh, Smallville, bah, je ne l'ai bah, pas, même, je mais pas, pas regardé. Ouais. j'avais pas le droit de regarder la télé de toute façon. Attends, mais tu rigoles Mais ton, mais, 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 ton père. Il... Il avait conscience que, que la télé ça existe. Hein. J'ai beaucoup de problèmes à régler avec mon père. Oui. <rire> <rire> mais t'as commencé à regarder de la fiction partir de quel âge Mais je lisais moi. Non mais, non, mais de la fiction, t'as commencé à regarder partir de quel âge Mais je sais pas, quand j'ai eu mon premier ordi à 17 ans et que du coup euh, j'avais. Enfin, quand j'ai passé mon ouais. bac et que je suis allé à la fac, j'ai eu mais mon coup, premier Du coup t'as pas regardé la trilogie du samedi Mais Black jamais Fig, non, non. Ok. Le dessin animé Batman, tu l'as regardé comment alors dessin animé Batman ouais, j'ai pu les regarder quand, euh, quand on était petit et qu'on allait euh, notamment chez ma grand-mère. Euh... Mais wesh Mais bon, et les, les boulards du samedi soir Mais j'ai jamais eu de boulard du samedi soir Mais non bah, vraiment, Mais quelle vie <laughs> Quelle vie bah, affreuse <laughs> Je vais écrire à monsieur thomasine, moi je suis pas content, attention Je quoi. C'est bien possible. Ah oh, putain, du coup t'as pas connu les années 90 à la télé c'était trop ben bien non. la télé à l'époque. Non, mais je regardais pas la télé. Moi, je, je lisais, je jouais à la 64 un petit peu quand je pouvais, quoi. Mais c'est tout, mais je regardais pas télé. cest à qu'il autorisait la, la console, mais pas les. J'avais le droit de jouer une demi-heure à, so à la 64 si je faisais deux heures de jardinage. Et <laughs> si une demi-heure, pas plus. Sinon, hop, le bâton dans la gueule, mon gueule. Non, mais par contre, bah non, mais il me coupait la console, quoi. rigolo, hein. rigolo. Voilà. Son fils a fini, un journaliste pop culture qui parle de séries télé pourries de la CW mais bah ça quoi. ne marche pas Comme quoi. Euh, donc euh, rapidement... Oui, alors Duvernay, euh, c'est rigolo parce que Duvernay, elle est un, un peu partout en ce moment. Ouais. On dirait que c'est un peu la, la nouvelle femme forte de chez Warner Bros. Mais moi, j'attends un petit peu encore une fois. C'est ce que je dis à chaque fois. Je comprends pas comment en fait ce mec-là arrive à, à faire des espèces de feux d'artifice de carrière alors qu'ils n'ont pas encore prouvé énormément de choses. Euh, si j'ai pas de conneries, c'est elle qui a fait Selma, c'est ça Yes, ouais. ouais. Bon, c'était sympa. Selma, c'était bien. Enfin, c'était sympa, c'était bien. Euh, le film qu'elle a fait pour Disney, Wrinkle in Time qui du coup se rapproche plus d'un projet de commande qui évoquerait plus sensiblement ce qu'elle fait pour Warner Bros*. Mais c'était pas bien. Euh... Non, ça De toute façon, ça a pas ça a pas très bien été reçu euh, par la critique. Je suis même pas sûr que c'est si bien fonctionné que ça. En fait, moi, si tu sais veux, j'ai l'impression, et peut-être que je, suis, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai l'impression en fait que comme le système des studios traditionnels manque en fait de de travailleurs de couleur, euh, même même de femmes fortes ou de D'activistes de, de, producteur, euh, euh, ou producteurs gays, lesbiens ou transgenres, etc. Ouais, là, ça veut dire que tu, tu, tu dirais que c'est un token, quoi Mais Non, je pense pas que c'est un token. À mon avis, euh, ce qu'elle fait, 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 elle le fait bien, elle le fait avec, avec des vraies idées, avec une envie. Tu vois, ça, il, on peut pas lui retirer. Elle va du vernis, c'est une meuf qui est passionnée par ce qu'elle fait. Il pas mmh. de souci. Mais c'est un petit peu comme Patty Jenkins qui, qui, qui tombe sur un Star Wars, tu vois. Quelque part, ils écoutent les, ré, les réclamations des fans qui leur demandaient de mettre une réalisatrice sur Star Wars. et quelque fait, il, il, il est grand temps en un sens. Mais ils vont vers Jenkins parce que il n'y a pas non plus 40 réalisatrices qui ont fait 800 millions de box-office. Donc c'est un choix de sécurité. Là, je me dis que c'est aussi un petit peu un choix de sécurité, quelque part. Je pense à Aida machaka par exemple, qui est aussi une scénariste noire qui avait, fa qui avait failli faire la série Why the Last Man pour Warner Bros. Euh, ouais. pour, euh, pardon, pour FX. Qui, elle, a priori, bon, elle est, en elle est encore un peu plus jeune, elle a peut-être plus de choses à prouver, mais euh, manifestement, elle avait des idées politiques sur le rôle des femmes dans la société et qui ont, qui ont fait peur un peu à FX. Peut-être que ce genre de vision un peu clivante, c'est ce qu'il faudrait justement pour. Parce qu'en plus, Berlanti n'hésite pas à être clivant. Berlanti, il a ramené la première héroïne transgenre des adaptations, c'est lui et tu fermes, tu fermes ta gueule et rien à foutre d'être un piste et compagnie le mec il sait quand même à défaut de faire des séries extraordinaires aller au bout de ses idées donc là euh, je suis pas en train de dire que ça va pas être bien ni que duvernay, tu, duvernay est une mauvaise scénariste ou mauvaise produit et compagnie elle, elle produit beaucoup de choses et j'espère que dans les choses qui sont en gestation actuellement tout enfin, le maximum de choses fera bien euh, c'est juste que là actuellement j'ai du mal un peu à me positionner et je me demande si finalement ce serait pas mieux de, de chercher un peu des nouvelles voies on va dire euh, parce que justement c'est des séries qui sont faites pour la jeunesse avec des personnages de jeunes, et que il serait pas inintéressant, comme tu l'avais si bien dit justement, de se tourner vers des créateurs qui peut-être reflètent mieux ces aspirations-là. Maintenant, euh, encore une fois, si c'est bien, tant mieux. Euh, quelque part, Bendis, c'est un mec vieux, il arrive encore à, à rester pertinent sur, sur, sur ces sujets-là. Vieux Ah, euh, Bendis, il est pas tout jeune, ouais. Bon, il n'a pas 60 ans non plus. Hmm. non, mais il n'a il a, il a, il a pas l'âge de Naomi, si tu préfères. Voilà, C'est un mec qui, qui écrit beaucoup sur la enfin, jeunesse Toi non plus, tu n'as plus l'âge de Naomi. Mais non, mais ça. je veux dire, le mec, il a fait quoi Il a fait les Wonder Twins, euh, n'importe quoi. Il a fait euh... ah, 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 Young ah. Justice. Young Justice, voilà, il a fait les Young, Young Justice. Il a fait, il a fait Miles Morales et Ultimate Spider-Man, qui sont des séries pour la jeunesse. Malgré sa quarantaine bien tassée, il reste pertinent là-dessus. 53 ans. 53 ans, ben bah, voilà, tu vois. Donc, on n'est pas si loin des 60, Arnaud Kikou. Donc euh, voilà, c'est pas du tout pour dire ça, c'est juste en fait une sorte de, de commentaire qui, qui ne prend pas forcément parti, c'est un, voilà, un peu comme ça que je m'en sors, vous m'excuserez parce que je peux pas forcément un avis très formé sur la série Naomi, ni sur le personnage de Naomi en général. Euh, sinon que voilà, encore une fois, un peu, un peu de diversité à l'écran, c'est toujours cool, de voir que les super-héros sont vraiment en train en fait de, de véhiculer ces idées plus fort que beaucoup d'autres types de franchises genre c'est con mais le cinéma d'action par exemple je trouve qu'on manque encore vachement de nana dans le cinéma d'action ça commence à venir peu à peu mais voilà, les gangsters il y a eu une petite poussée récemment mais ça a pas forcément pris euh, les westerns bon, on a eu Jane the Gun, etc mais pareil ça met du temps et finalement ouais le super-héros en fait se peuple vachement plus vite que prévu de, euh, de personnages de couleur, de personnages féminins de personnages, bon gay et lesbien je pense qu'il y a encore vraiment un gros travail à faire de ce côté là, mais on a eu Batwoman ce qui était déjà une première bonne chose voilà, voilà. Après il ne manquerait plus que greffer un peu plus de qualité, d'exigence, euh, de, de valeur de production à ces, à ces projets là pour avoir vraiment un, un bilan qui soit plus globalement joyeux. Euh, mais voilà, j'ai envie de dire que c'est un, un peu évident, tu vois, quand justement t'as Mendes de faire une Naomi en série télé, le mec il a fait Miles Morales, ça fait Spider-Verse, et le jeu vidéo Miles Morales, il a fait Harry Williams, ça, ça va donner une série télé, et on, je crois qu'on l'a déjà vu dans, dans, dans de l'animation aussi. Donc voilà, c'est la suite logique, Ben Bendis il est là aussi justement pour, euh, à travers cette euh, sincérité et authenticité, authenticité de père, euh, porter un message que peut-être d'autres scénaristes, enfin euh, qu'on qu écoute moins en fait, tu vois, parce que Bendis aussi il a l'avantage d'être un vrai gros poids lourd de l'industrie, donc mécaniquement quand lui dit il faut de la diversité, on l'écoute plus facilement qu'un jeune scénariste noir qui se lance, ou une jeune scénariste noire qui se lance et qui n'a pas les moyens encore d'affirmer ses idées parce que le système est ainsi fait. Voilà, c'était une longue tirade pour dire grosso modo que, à voir. <laughs> très bien, Et écoute, on va continuer hein, parce que j'ai dit que c'était la seule news de la partie euh, de série télé, donc on va conclure bientôt avec la partie cinéma. Euh, une question très simple hein, on va pas euh, tergiverser euh, pendant mille ans là-dessus. Euh, Faut-il laisser à Matthew Vaughan euh, le droit de faire sept films Kingsman supplémentaires bah, Moi je pense qu'on peut lui laisser le droit de le faire, après je pense pas qu'il les fera. Euh, le problème de Matthew Vaughn en fait c'est qu'il il, il se pense en, en gestionnaire de franchise en, en oubliant un petit peu que sa franchise elle a juste deux films Et que, et que le, le deuxième il... n'a ouais, pas été très bien reçu a pas été déjà très bien reçu. Il n'a pas fait beaucoup plus d'argent que le premier voire même il, je crois, Non il a, fait quatre, moins. il a fait 4 millions de moins, voilà. le premier c'était 414, le deuxième c'était 410 Donc il n'y a pas une perspective de croissance énorme, alors après c'est pas un problème forcément Dans l'horreur par exemple on a déjà vu des, des franchises durer 10 films avec chaque fois 10% de perte Mais comme ça coûte moins cher c'est pas forcément comparable, les films, les films Kingsman je pense coûtent cher à produire et à monter, parce que c'est quand même des grosses vedettes, c'est des gros effets spéciaux, c'est des productions assez ambitieuses avec justement cet hommage à la folie un peu euh, ambi enfin, ambitieuse, voilà, même enfin j'allais dire euh, voltigeuse de James Bond, tu vois, vis-à-vis -vis, par exemple dans le 2, t'as cette scène avec l'espèce de grande, de grande cavité en verre qui descend une montagne, etc. Enfin, ça, ça coûte, ça coûte plus cher qu'un paranormal activity. Juste cette scène-là d'ailleurs. Mm. <laughs> euh, donc voilà, Vaughn il avait dit déjà qu'il avait, fond... bon, avait fondé Marv Films. Marv films. Euh, il, voulait faire du... il voulait refaire du kick-ass, il voulait faire une série euh, Kingsman, il voulait faire les Statesman. Il voulait faire un spin-off féminin, je crois, aussi à un moment donné. Le mec, vraiment, il va puis son préquel The Great Game, qui quelque part aussi est là pour éventuellement kickstarter une possibilité de licence parce que tu sens bien que le film pourrait appeler à une suite parce que c'est un autre contexte temporel, il peut explorer l'histoire à travers ça, tu vois, c'est un peu comme les animaux fantastiques par rapport à Harry Potter, donc euh, parce qu'il a le même côté académie, donc euh, voilà, moi je, pense, je comprends qu'il soit ambitieux. Après, Petero euh, est pas forcément inintéressant, les films d'espionnage tu peux effectivement en faire 8 millions, tu vois. En fait, euh, le truc c'est qu'il a un petit peu envie d'en faire sa propre, son propre James Bond en, ouais. en étant un petit peu plus ouais, euh, décalé, redis, quoi. Qu c'est ça, tu vois, et tout mmh. mais euh, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs par rapport aux au, au deux il avait dit euh, j'ai hâte qu'on arrête avec les origins story parce que moi ce qui me ferait kiffer serait faire, serait faire de l'anthologie en fait c'est un film une histoire une idée un vilain et hop on passe à la suite ouais mais, mais euh, euh... Tarone Garthson a dit qu'il faisait qu'un seul film encore et après c'était fini de toute façon ouais oui oui bon bah, après il faudrait renouveler pour ça aussi voilà, quelque faudrait part vrai. que le 2 est vachement plus chargé en personnages avec mais enfin moi surtout c'est pas ça c'est que The Great Game enfin putain The Kingsman The Kingsman King's King's du coup a été repoussé par euh, Disney on sait très bien que Disney n'en a rien à foutre des propriétés Fox en dehors des grosses franchises comme Alien ou Avatar, que c'est pas dans leur ADN de produire de l'adaptation de comics à petit, à petit, à petit nom comme ça. D'ailleurs, quelque part, euh, euh, couille, heureusement pour Mark Millar qu'il a réussi à négocier sur son truc avec Netflix parce que là, bon, voilà, c'était mal barré avec Disney. Euh, si Disney annule Mouse guard et Lambert je les vois mal produire un truc comme Kingsman qui, encore une fois, ne vise pas le billion dollar movie. On sait que c'est un peu l'objectif crucial de chez Disney. Si tu fais moins de 800 millions, t'as peu d'intérêt à passer, à passer au ciné. Et que bah, je crois que ça reste quand même la Fox qui détient les droits de distribution de Kingsman. Mais donc, ça pourrait être juste... Kingsman, justement ça euh... pourrait être du coup une, même une licence de film à produire mais pour l'offre star de Disney+. Ben bah, ouais à voir, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit très apprécié. Enfin quand même le report de 7 mois il était il était cruel. Là le film du coup est piégé il a... par le Covid. Ouais. Quand il sortira il va se planter. C'est comme ça, et même s'il se plante pas. Qu'est-ce qu'il est de fétus, celui là. Bah, non, regardez -le. Mais regardez-le, oh, bah, donc. Non eh... mais attends, c'est juste être réaliste. Quand, quand t'as vu bah... l'accueil euh, entre guillemets public des bandes annonces de The Kingsman, ça avait pas l'air de créer un engouement fou, ça avait pas l'air d'être. En... Mais dans, dans ta timeline peut-être, mais peut-être que en dehors de, 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 de ta timeline, les gens euh, en avaient quelque oh chose, oui, chose à foutre. c'est hein. pour Office Pro, c'est pas comme un timeline. Ils prévoyaient pas un démarrage fulgurant, tu vois. Mmh. Et encore une fois, un report de 7 mois, ça veut dire que tu perds la campagne de promo qui a été investie au départ. Tu dois en refaire une, euh, donc déjà tu perds des coûts de. de, de c'est énorme hein, les coûts de promotion, on s'en rend pas compte, parce que c'est pas F sur Wikipédia. C'est la moitié du budget en général. En moyenne, en moyenne, ouais. donc là évidemment ce sera pas la moitié du budget, mais tu, je, je m'interroge, tu vois, pareil par rapport à, à The Slenderman, euh, non, euh, l'homme vide, là, The Empty Man, tu vois, que disent que. Euh, non, pas Disney, Netflix non, non, c'était Disney. Disney oui, mais il est, so ouais. mais il est voilà. sorti, du coup. Ils euh... ont cravé, ils ont fait un, un trailer oh. une semaine avant la sortie, tu oui, sais. Oui, c'était mode... pour Halloween, bah, là. Bah, on bah, sait même pas ce qu'il ne s'est passé. Il ce film. au casse-pipe pendant le Covid en mode, bon, écoute, on en a marre, vas-y, viens, on s'en débarrasse. Parce que là, on est ridicule et qu'on paye de la pour de la promo pour rien, ça mord pas, etc. et ça a pas mordu. Moi je me dis quelque quand même. Difficilement que difficilement mort mais a priori, The New Mutant, ça, ça se faisait un bon second run en, oui, en DTV, ah, enfin, oui. en VOD. Après, là. après on a, comme tu disais, on... c'est pour ça que Bloodshot, ils ont, a priori, ils veulent continuer, c'est parce oui, que oui. ça s'est bien rattrapé après. Mais après, on n'a pas forcément les chiffres, il ne faut pas non plus spéculer sur la rentabilité ouais. éventuelle du projet. Juste, euh, moi j'ai vraiment, c'est peut-être qu'une impression personnelle, l'impression que Disney s'en fout des propriétés Fox, limite a envie de, de s'en débarrasser le plus vite possible pour pouvoir passer. Alors, bah, tu vois, là, la. Des 23, euh, c'était te... quand même quasiment, à part la truc avec les Kardashians, c'était quand même quasiment que des machins de franchise qu'ils avaient déjà vu avant. T'avais du Willow, t'avais du Star Wars, la Jones, Comme Marvel, etc. Les créa comme ça, un petit peu qui jaillissent. T'avais le spin-off euh... sur le chien de là-haut. Ouais, et un spin-off sur Buzz Leclerc C'est-à-dire que les mecs sont vraiment à ce point-là dans la franchise, tu vois. Mmh. Kingsman, elle est pas aussi installée, elle est pas aussi établie qu'ils auront envie d'en faire 7. Je vous pense pas. Ouais oui je, je, ça, 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 ça faudra voir le score du en temps, en, encore que The Kingsman peut se planter parce qu'avec les, les conditions et tout ça et la crise c'est pas je veux dire il y, y a plein de facteurs auxquels tu pourras imputer un plantage par contre, ouais, s'il y a un Kingsman 3 avec Taron Egerton et que ça réussit pas du tout à transformer euh, la licence une nouvelle fois, bah oui, j'imagine que ces projets de séries télé et de, et de euh, six films supplémentaires se seront compliqués. Bon, bah du coup, euh, Corentin, on n'ira pas au cinéma cette année, hein, puisque les cinémas ne, ne, ne restent pas ouverts. Et figure-toi qu'on avait dit, euh, il y a quelques temps, dans le dernier front page, que Wonder Woman 84 allait sortir à la fois sur HBO Max et au cinéma. On a même prévu un podcast Ouais, on avait même prévu un avec podcast des euh, des avec des, des chouettes invités pour euh, qui nous avait dit oui, mais euh, il, ce n'est que euh, re, re, reporté, bien entendu. Mais du coup, euh, Warner a décidé que euh, tous les films de 2021 allaient sortir à la fois sur HBO Max et au cinéma, dont euh, du coup The Suicide Squad de James Gunn. À la fin enfin, du podcast, ça va être courant monologue. Euh, tu veux, veux peut-être donner ton avis dessus avant que j'attaque ou... Ben. Si tu veux, moi je, je pense que c'est je pense qu'il n'y avait pas de bonne solution de toute façon par rapport à ça pour les studios comme pour les créateurs là, cette solution apparaît pire pour les créateurs notamment parce que clairement elle se destine plus euh, à l'intérêt direct en fait du studio envers son public et euh, pour récupérer la moula, grosso modo après la crise sanitaire, elle est aussi là, en cours, et donc tu peux comprendre que euh, les gens puissent euh, avoir envie de décider entre aller dans une salle de cinéma ou rester chez soi enfermé euh, chez eux pour euh, apprécier un film puisqu'on a quand même besoin aussi de, bah, de divertissement. Ce qui me faisait plus marrer, tu vois, c'était. Mais après, c je suis, je suis peut-être sûrement très naïf sur la question, c'est quand je voyais euh, des... Des... des collègues dire que c'était une catastrophe, notamment pour la France et tout ça, parce que forcément, quand ce sera. On, On est d'accord que quand ça arrivera sur HBO Max, ce sera du coup instantanément disponible dans le monde entier en assez bonne qualité. Et donc, ça va créer, en fait, un, un manque à gagner énorme pour les salles en dehors du, du circuit américain, puisque, donc, dans les pays où il n'y a pas HBO Max, de toute façon, Warner continuera de sortir les films en salle. D'ailleurs,. Même si Wonder Woman 84, là, vient d'être décalé une nouvelle fois en France, euh, le, ils ont juste mis un petit teaser disant « prochainement en salle » et entre parenthèses, uniquement ça. C'est-à-dire qu'eux n'ont vraiment pas l'intention de, de se défausser sur un service de streaming euh, ou, de, ou une offre VOD. Et moi, je me demande quand même si vraiment, en 2020, il euh, y a tellement de gens qui sont euh, assez bien équipés, euh, qui savent correctement pirater. Euh, je dis pas que c'est difficile, mais ça demande quand même en fait, un effort minimum, tu vois. Et je connais énormément de gens euh, de ma génération et même plus jeunes qui en fait euh, ont des appris si tu veux à télécharger et en fait s'en euh, battre les couilles parce que maintenant euh, quand la facilité c'est juste à allumer ta console ou ton appli et, et que tu as accès en fait bah à aller faire les recherches oui, sur le site dessus, tu vois ce que je veux dire bref bah, donc le, voilà, c est, le... est ce qu'il y a assez de gens qui sont réellement confortablement équipés qui ont vraiment cette connaissance de comment on télécharge et qui ont la, la déterre de, de le faire euh, versus en fait tout simplement attendre et, et aller profiter d'un film dans, dans le cinéma parce que même si on peut se plaindre euh, du fait que oui au cinéma les gens sont mal polis, ils mangent bruyamment et ils jouent avec leur téléphone, euh, c'est pas dit que tout le monde est euh, un appart comme celui-là euh, là où on est qui est quand même assez confortable avec euh, le, le bon équipement télé et tout ça pour te recréer une, une séance euh, euh, à minima correcte euh, tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que oui, vraiment c'est un... <laughs> si grand danger d'autant plus qu'il y a des chiffres hein, qui étaient sortis sur le rapport du euh, alors je sais plus si le CCN quelque chose euh, qui suit en fait euh, l'évolution des fréquentations de salles et sur les dernières années ça n'a jamais désempli c'était même en augmentation sur 2019 c'est à dire que euh, alors que le piratage existe toujours autant et l'offre aussi par les services de streaming est, est également bien implantée depuis des années donc euh, les gens veulent quand même aller au cinéma tu vois donc je suis je ne sais pas si c'est euh, si dévastateur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que aux États-Unis, effectivement, si tu donnes le choix euh, aux autres... Euh, vu, pour moi, la question ne se pose pas dans, dans, forcément pareillement dans notre pays, puisqu'il n'y a pas ce, 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 ce double choix, euh, en tout cas pas d'option légale à, à domicile. Par contre, oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, ben, euh, c'est les circuits des, du, des distributeurs qui vont, être, euh, qui vont être grave touchés, alors qu'ils sont déjà dans, dans le mal. Donc je comprends largement que les, les gérants des chaînes de cinéma soient, soient vénères. Et effectivement, euh, tu vois aussi que, que euh, c'est Denis Villeneuve, euh, c'est qui l'autre Christopher Nolan. Christopher Nolan, voilà, euh, <coughs> puisse euh, gueuler contre cette décision. Parce qu'au final, oui, effectivement, elle tient plus sûrement d'un géant des télécommunications qui s'appelle ATT, qui a racheté Time Warner Media, qui veut en fait essayer d'éponger sa dette de 150 milliards de dollars en essayant de se faire du bif. En se gardant un maximum de profit, j'imagine peut-être avec HBO Max, à aussi faire la promotion de cette plateforme qui a quand même pas connu du tout le même succès dans son lancement que, mettons, à Disney Plus, et qui a donc du mal à, à s'imposer par rapport à tous les autres, voilà, à tous les autres concurrents. Donc, être euh, ouais, très, très une situation très complexe et sur laquelle je ne vois pas en fait ce qui, ce qui gagnerait. Parce que oui, sinon ils auraient dû encore décaler, c'est ça Mais à oui, force, mais à force de décaler, tu perds aussi le, le pouvoir d'attrait. Euh, et... Je suis pas d'accord. Enfin, c'est une année compliquée pour tout le monde, quoi. Mmh. Si on ouais. demande aux gens de ne pas aller au ski, si on demande aux gens de pas aller au resto, on peut peut-être demander aux studios de juste attendre et d'arrêter de faire chier. Euh, Après, toi, tu n'es pas forcément objectif. Non, euh, non, 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 non. Je suis pas quoi. du tout objectif. Je suis pas du tout objectif, et tant mieux parce que je trouve que vraiment, j'ai l'impression que là, il y a quelques personnes qui crient. Comme tu dis, dans mon, dans mon historique, dans mon réseau, parce qu'effectivement, nous, on fréquente des cinéphiles sur, les, sur la toile, etc., qui, eux, sont attachés à l'expérience. Et, qu et qui en pas, hein, surtout. Je, je pense qu'on surestime vraiment euh, la capacité des gens à se, à se mobiliser, à consommer intelligemment. Euh, quand un, un secteur est en crise, à mon avis, les gens le plus perdus, on n'a rien à foutre, en fait. Il n'y a qu'à voir, dès qu'un acteur ou un réalisateur français dit du mal de Netflix, toute l'armée de... De, de petits consommateurs va, va se réveiller en disant ouais mais attends c'est quand même vachement bien Netflix comme s'il y avait une guerre à opposer entre les deux comme si ça pouvait pas juste être complémentaire et qu'on était forcément obligé de dire que ouais mais moi quand je vais au cinéma c'est comme si c'est comme ça etc tout le monde a les mauvaises expériences avec le cinéma tout le monde en a aussi avec Netflix c'est comme ça genre moi j'ai regardé des Breaks tu vois par exemple et c est, c est, ça, ça vaut pas le prix d'abonnement mensuel mmh. euh, maintenant maintenant oui effectivement je suis biaisé parce que certes euh, la fréquentation est pas en baisse après il faut quand même qu'on Parle un petit peu de la répartition de cette fréquentation. C'est-à-dire qu'il y a un problème vis-à-vis -vis de la gestion des Ten Polls euh, aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, où vraiment la, les comédies grand public tirent les chiffres vers le haut, mais euh, sur le cinéma d'auteur, bah, c'est pas forcément aussi évident. Sur le cinéma d'auteur indé, c'est encore plus compliqué. Le cinéma d'importation, c'est hyper dur. Quand on voit des youtubeurs abjects euh, comme Régil Gorilla ou. Euh, ou enfin, tous ces, ces mecs-là en fait, qui ne devraient pas parler de cinéma et qui juste euh, c'était ça ou faire des let's play commentés, grosso modo, et qui t'expliquent le cinéma comme on t'expliquerait un cours de marketing pour, les, pour vendre des aspirateurs, euh, qui sont là à expliquer qu'il n'y a rien au cinéma en ce moment, qu'il faut limite rosier sa carte d'abonnement euh, parce que Batman a été décalé. Il y a vraiment en fait, un problème, je trouve, dans la façon dont les gens commencent petit à petit à s'habituer à s'en battre les couilles d'un corps d'activité qui n'est pas juste euh, une alternative au streaming. Le cinéma n'est pas une alternative au streaming. Le cinéma, c'est de là que part le cinéma. Le cinéma était pensé pour être vu au cinéma. C'est pas juste mon point de vue, c'est comme ça, ça marche, marche comme ça, tu vois. C'est pas, pas comme le jeu vidéo <coughs> avec les salles d'arcade, tu vois, où pour le coup, c'était un, un, une expérience collective plus attrayante parce que justement, il y avait une expérience technique, etc., qui s'est rajoutée après. Euh, là, en l'occurrence, effectivement, moi, je dirais pas que je suis forcément euh, rongé par l'angoisse vis-à-vis de ce truc-là. Moi, je travaille dans un cinéma d'auteur indépendant qui a un public fidèle et qui, mais quand même faisait les mêmes chiffres pendant la, la courte réouverture entre le, les deux confinements, parce que justement, c'est un public de spécialistes qui sait ce qu'il va chercher et qui, grosso modo, se tient en courant de sortie, qui ne peut trouver que là. Donc, je ne suis pas en danger, moi, on va dire. Par contre, je pense, à mes, enfin, je pense aux collègues du GC, je pense aux collègues de pâté, etc., qui, mine de rien, même si effectivement ça demande un effort de télécharger ou de pirater, et que la qualité est souvent moins, moins, moins intéressante dans ces cas-là, euh, mais il y a quand même des gens qui savent le faire, il y a quand même des gens qui peut-être même juste vont se dire.. Ah, ben bah je sais qu'il arrive dans six mois sur telle plateforme, donc je vais pas aller le voir à ce moment-là parce que, bon, bah déjà le Covid, euh, aussi le prix, aussi, euh, voilà, la, la haine collective qu'on a maintenant de notre prochain, on supporte pas d'être assis à côté de quelqu'un pendant plus de dix minutes. Et ça, c'est un vrai danger, parce que même s'il y a un effondrement de 10%, il euh, faut penser il y a des groupes de cinéma qui sont cotés en bourse, qui ont des actionnaires, qui doivent rendre des bilans positifs à la fin de l'année. C'est le capitalisme, tu vois, qui doit rendre une, le 1% de croissance positif à la fin de l'année, sinon ils sont en récession. Donc il y aura des licenciements, et c'est déjà le cas. Je veux dire, le, le, le cité, on, on, on oublie de le dire, mais quand Avatar est sorti, par exemple, et que tout le monde s'est dit, il faut des projecteurs, des projecteurs numériques, parce que c'est comme ça qu'on aura la 3D, qui est devenu le nouveau gadget à la mode, le nouveau gimmick, qui rend la télé obsolète. Et plate par rapport à l'écran de cinéma qui sera 3D, magnifique, immersive, etc. Ok, super. Donc, l'anime numérique arrive, on a viré tous les, proje les projecteurs pelliculaires, et on a viré, en tout cas UGC par exemple, on a viré 100% de sa masse salariale de projectionniste. Pourquoi Parce que juste ils se sont dit, on va faire des économies maintenant avec le numérique, tout marchera tout seul comme prévu, tu vois. Les gros, les gros réseaux de cinéma n'ont aucun amour de la masse salariale ils s'en foutent, et le JC Bercy par exemple a, a fait l'objet de plein de trucs par rapport à ça au niveau social, etc. Donc la moindre menace qui pèse sur cette industrie-là, elle peut avoir des conséquences très lourdes, comme pour Disney avec les parcs attractions en Floride, tu vois, d'un coup, du jour au lendemain, 30 000 personnes se retrouvent à la rue. Il euh, y a 100 000 salariés de, de, de Disneyland en Floride, euh, 30 000 personnes, c'est l'État entier qui est menacé de, de tomber en faillite, tu vois, enfin j'exagère un peu, mais ça, ça va être très très lourd à gérer sur le plan social. Et c'est aujourd'hui, avec le Covid en fait, qu'on se pose pas ces questions de solidarité. Que les studios, en fait, choisissent de faire bande à part. De se dire, oui, mais il faut bien nous comprendre. Nous, on a un loyer à payer, grosso modo. Donc, il faut qu'on fasse de rentrer de la thune maintenant et que les actionnaires, on les rassure maintenant. Sauf que, à un moment donné, il y a plein de boîtes qui font des efforts par rapport au Covid. Il y a plein de boîtes qui sont endettées, il y a plein de boîtes qui vont couler. Je sais pas pourquoi les studios de cinéma pourraient pas faire un effort quand, justement, ils se rincent chaque année et depuis des années avec euh, les gros, les gros succès. Genre, Joker, 55 millions de, de budget, un milliard, un milliard au box-office. C'est quoi C'est 800 millions de profits et les mecs après ils vont, ils vont, ils, vont faire la, ils vont faire la gueule mais attendez. Le problème c'est que ces gars on les a autorisés à acheter des, des structures ou, à être, ou à être rachetés par des structures qui sont endettées hyper chères pour acheter Marvel, pour acheter Star Wars, pour acheter la Fox, et pour acheter Hulu, et aussi pour acheter du coup Warner chez ATT. Du coup ces groupes-là ils sont en dette et ils visent un horizon de rentabilité. Donc pour l'instant il faut juste faire entrer de la thune parce que c'est pas le moment grosso modo de perdre de l'argent. Mais déjà, d'une part, on n'aurait pas dû les autoriser parce qu'il y a des lois antitrust qui fait que là, on le voit très bien, Disney c'est énorme, et on parlait de Dark Horse, c'est un tout petit exemple par rapport au, au danger qu'en présente Disney, grosso modo maintenant, si, si Disney s'enrume, 30 000 personnes per perdent leur emploi. Euh, Warner Bros c'est pareil, quelque part, le groupe Warner, AT&T, HBO Max, etc., c'est colossal. Il y a des chaînes de télé qui sont impliquées. Il y a des différents pans culturels qui sont concernés. La CW, ça appartient à TT maintenant. C'est des trucs, des connexions qui se font pas. Des c comics ça appartient à TT. Quel rapport entre un groupe de téléphonie et, et la première boîte de comics euh, qui, pareil, il y a des conséquences. On le voit bien, nous, tu vois, au quotidien. Donc, au lieu de, les, de, de faire appliquer des lois qui sont là pour respecter, justement, le fait qu'un groupe entier ne puisse pas décider du sort d'une de, centaine, de, centaine de milliers de gens, on a laissé ces trucs là se faire, du coup maintenant ils sont endettés pendant au moins 10 ans et pendant au moins dix ans il faut qu'ils fassent les poches des gens. Le surcoût de Mulan en VOD, c'est ça. Euh, Pixar qui va en, enfin le sol de Pixar qui va directement en VOD, c'est ça aussi. Il y a des choses moi qui me choquent, mais qui me choquent vraiment gravement quand justement les mecs te disent euh, on n'a pas prévenu les Réals pour du euh, Max et du coup euh, les des Réals qui sont parfois producteurs de leurs films qui sont intéressés aux entrées en salle. Ouais. Donc limite tu fais les poches de tes, de tes salariés là, tu vois. Euh, même ses artistes au mieux euh, je pense aussi à des gars comme par exemple Annihilation qui avait pas voulu être distribué par Paramount parce qu'il pensait qu'il prenait trop de risques et qu'il l'a vendu à Netflix international. ça a écuré Alex Garland qui est quand même un génie du cinéma qui s'est dit bah dans ce cas là je me casse du système des studios franchement là on est sur un, un cas de crise majeure en fait où l'industrie est détenue par des corporations qui sont très fortes et qui pensent en termes de rentabilité et qui du coup n'a plus, en fait, la patience de, tra de traiter avec les artistes. Warner Bros, c'est choquant, parce que c'est quand même le studio qui est connu pour ça, en fait, pour faire ce grand écart. Les Vachowski, euh, Christopher Nolan, tu vois, qui est quand même... Il se fait produire des films très chers et assez ambitieux. C'est des blockbusters d'auteur tu vois, quelque part. Tenet, on a vu que c'est Nolan qui avait forcé pour le sortir, et justement, ils l'ont écouté. Mais ils ont, ça s'est tellement planté, entre guillemets, proportionnellement au chiffre du Covid, que les mecs, ils ont dit « Bah, laisse tomber, vas-y, on, on fout tout en, v en VOD. » Mais Les rapports du Hollywood Reporter euh, mettaient clairement en cause euh, les, les, les personnes récemment à la tête, donc, euh, notamment avec Anne Sarloff, qui est donc la nouvelle euh, PDG de, de Warner Media, qui, euh, voilà, donc grosso modo, en fait, l'industrie du cinéma les accuse euh, de ne pas comprendre en fait, ce que c'est le business du cinéma. Et bah, de penser sûr, justement qu'en termes. C'est des marchands de tapis, euh, je veux dire. Avec euh, John Stanky, qui dirige du coup voilà. Warner Media aussi, le mec, j'ai lu des papiers sur lui sur, dans Variety Deadline, les mecs, il faillit. Les mecs de HBO, qui, pareil, sont des, des artistes de la télévision, c'est des mecs qui ont une grille super résiliente et, pour le coup, qui ramènent de l'argent. Euh, qui, d'ailleurs, sont vraiment très Warner Bros, tu vois, c'est des séries d'auteurs mais qui, qui marchent. Euh, les mecs, ils parlaient avec John Saki, mais ils, ils disaient « Mais on comprend pas ce qu'il veut, enfin, ils vire telle personne tel jour et puis, le lendemain, il ils vire le suivant, etc. » Enfin, c'est un mec qui qui est pas là en fait pour faire du cinéma, il est là pour faire du business et quand il t'en parle justement ce que lui il a défendu. Là HBO Max c'est passé à 12 millions de consommate, euh, consommateurs oui d'abonnés. Bon, ce qui est ridicule par rapport à Disney Plus qui en moins d'un an a fait quasiment 70 millions et Netflix qui a 195 millions. C'est ouf. <laughs> Pourquoi pour aller, la garde du streaming c'est pas juste une connerie où on disait mais non les gens ils auront les moyens de tout suivre, mais non ils auront pas les moyens. de, Bien de sûr suivre, que non. Évidemment que non. On va rentrer en récession économique là, ils auront pas les moyens de tout suivre, ils des choix et même j'ai envie de dire qu'encore une fois les gens font que 24 heures. Donc le mec on l'interroge là-dessus et il répond mais écoutez c'est un marché le cinéma, ça marchait comme les autres, et en fait nous on dicte pas euh, où est-ce que va aller le consommateur. Mais as envie de dire, mais enfin... Écoute, moi je vais te dire, si je suis éditeur de comics, il y, y a une crise économique, je mets toutes mes BD sur, sur euh, Amazon, quand les libraires ils ferment demain, je peux pas dire que j'y suis pour rien. Parce que oui, évidemment, le consommateur, il va aller là où c'est plus facile, là où c'est plus avantageux, là où c'est plus arrangeant. Mais tu sais ce que tu gagnes, tu sais pas ce que tu perds, en fait. Et là, en l'occurrence, c'est des gens qui, si tu veux, jouent avec un truc qui les dépasse. Le cinéma n'appartient pas à ATT. C'est pas à eux de décider si du jour au lendemain, l'exploitation doit être considérée comme obsolète. Et moi, je suis quand même choqué par rapport à James Gunn, par exemple. Le mec, en plus, déjà, il produit un truc pour HBO Max. HBO Max, pardon. C'est typiquement le genre de gars qui, justement, amoureux du cinéma de genre, etc., des midnight Movies et compagnie, le gars, euh, il, il signe un deal, grosso modo, pour faire un film et une série télé qui se rajoutent en plus au truc dans l'équation. Mais il n'a a même pas été prévenu. C'est quand même des trucs de ouf. C'est comme si toi, justement, on disait bah, tu, je prends ton podcast et puis je le mets sur, euh, sur valeur actuelle, Tu vois, as envie de dire bah, demande-moi mon avis avant. Je ne sais pas, trouve, je suis pas d'accord. Je ne trouve pas mes principes, pas, 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 pas mes valeurs. Tu vois, typiquement. Et moi, vraiment, ça, ça me choque profondément parce que j'ai l'impression, si tu veux, que tout le monde. Parce qu'on est, justement, dopé au streaming depuis huit ans, maintenant, avec Netflix, et qu'il y a plein de qualités. Je suis pas en train de dire qu'il faut supplanter un modèle à l'autre. Moi, l'intérêt, justement, c'est que les deux peuvent marcher en coercition, comme la télévision avant, avec le cinéma. Mmh. Tu sais qu'en France, il y a des lois qui ont été fait, faites pour qu'il n'y ait pas de films qui sortent le mercredi, à la télé, pour laisser aux gens le temps d'aller voir les films qui au cinéma, tu vois. Mmh. Et on a l'exception culturelle qui fait qu'on finance les salles, etc. Enfin, sinon, le cinéma ne marcherait pas en France. Il y a plein de films sans les subventions, ça s'écroulerait. Et ça, les gens, en fait, n'ont pas confiance de ces réalités-là. Ils croient que, si tu veux, ça va durer toujours et qu'il faut pas s'inquiéter. Mais évidemment qu'il faut s'inquiéter. Enfin, quand euh, le jeu vidéo en démat est arrivé, parce que les gens ont bien voulu l'imposer, entre guillemets, les studios ont voulu l'imposer que les gens ont vu le côté pratique, mais du coup, ils ont perdu des librairies, ils ont connu des librairies, ils ont perdu des... des vendeurs, ils ont perdu un rapport au client, un rapport à l'objet, qui fait que, du coup, maintenant, ben, le studio jeu vidéo limite possède l'objet que tu ne que tu te fais que louer, etc. Enfin, il y a des trucs, quand même il y a des avantages là encore hein. je suis pas en train de dire euh, revenons au monde d'avant c'était vachement mieux il y a 30 balais etc mais là quelque part le streaming à euh, tout craint euh, déjà moi ça crée un monde où personne ne sort, sort, sort de chez soi et ça me, ça me terrifie mais je veux dire c'est pas à des boîtes comme Disney qui sont au départ des marchands de jouets et de dessins animés évidemment et de, et de parcs d'attractions et à Warner de décider de ça quand tu vois la, la tribune de Denis Villeneuve il a tout à fait raison enfin le but de AT&T c'est juste d'avoir une offre de services, qui peuvent coupler avec un autre service, c'est des marchands de services. Et ils pourraient vendre effectivement de la musique, ce serait la même chose. Ils ont rien à foutre, ce qui compte, c'est qu'il y ait une rentrée d'argent qui se passe tous les mois. Euh, comme Apple d'ailleurs, tu vois, mais même Amazon Prime, Prime Video, c'est un produit d'appel pour devenir abonné Prime, pour ensuite profiter des livraisons gratos, tu vois. Donc en fait, ils mec, on crée, de la, on crée de la crée de la culture, qui est en plus qui est un hein, cas juste pour vendre des colis, quoi. pour fin, et, et là, à côté, du coup, Prime, enfin, Prime est un bon service aussi, hein, mais du coup, Amazon, ça reste une boîte... Bah, qui met l'économie de plein de pays à genoux, qui, qui, qui détruit des emplois. Euh, et il n'y a aucune réflexion globale par rapport à ça. Genre les gens disent juste, si tu râles là-dessus, c'est que t'es un connard. Et si t'es con si contre la politique de Disney, c'est que t'es un râleur qui empêche les gens de, de, de bien vouloir kiffer. Mais moi j'adore les produits Disney, au demeurant. C'est juste, euh, ils font des choses qui sont vraiment graves et dangereuses. Là, cette année, euh, Bob Iger ou je sais plus même qui c'est Bob Iger il y a un mec, le CFO, donc le Chief Financial, Financial Officer de Disney, qui a touché un chèque de 11 millions pour cette année. Mm pour avoir géré la crise ou je sais pas quoi 11 millions, ils ont pris un emploi de 6 milliards de dollars ils ont viré 30 000 personnes plus les licenciements de Houlou. et euh, tiens voilà 11 millions, Bien, t'as bien bossé euh, cousin alors je trouve c'est rien, se hein. trouve la dernière, dernière c'est 50 millions tu vois, là un, ils ont dégrévé mais t'as envie de dire que je suis désolé je, je sais c'est gauchiste et là je fais un très long monologue qui doit sans doute saouler plein de gens qui n'ont ont rien à foutre de ces questions là mais très honnêtement, ouais, il y a des questions à se poser. Il y a des vraies questions à se poser sur le fameux monde d'après. Les réflexions que personne n'a actuellement, parce qu'actuellement tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre de ce Covid à la con. Tout le monde veut, je pense, tout le monde limite veut sortir et veut aller au cinéma ou ailleurs, ou au resto, ou ce que tu veux, pour retrouver ce contact physique. Et la promesse qu'on nous fait, c'est l'inverse. Tu vois, c'est euh, vous voyez le, les, les habitudes que vous avez pris pendant le, le confinement, ben on va les imposer comme des normes. Et moi, ça me plaît pas du tout. Et, euh, voilà, bref, je m'arrête là parce que je sens que tu t'endors. <laughs> non, je m'endors pas du tout, mais j'admire je, 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 euh, ta ouais. réflexion, tout le cheminement qui est, qui est très juste, auquel j'ai pas forcément de contrepoint à apporter tout de suite. Euh, non, pas d'avocat euh, du diable Non, non je me dis juste que je suis contre, pas penser à tout ça forcément. Quoi, donc, euh, voilà. Après, oui, comme tu dis, moi je travaille là-dedans, donc quelque part euh, ça, ça me concerne. Mais euh, après, tu vois, je pourrais devenir projectionniste pour une salle Disney demain si, si Disney rachetait des salles en France. Le truc, c'est que, euh, c'est même plus juste une question de corps de métier, là, c'est une question de, 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 destruction artistique, en fait. Mmh. Tu vois, c'est comme si demain on me disait, hey, les BD, tu vois, les BD physiques, on arrête, on passe sur tout numérique. Et tu dirais, bah. Non, enfin, mais c'est même pas une question genre de juste mon libraire ou quoi. C'est ouais, juste... mais mais pense... moi, mais, je ne veux pas. En fait. mais le truc, c'est que je pense que par rapport à, à, à cette question, les gens sont très attachés euh, au bouquin euh, physique encore. C'est pour ça que le numérique arrive pas, ne prend pas, euh, n'a jamais réussi à, à casser le marché du livre, comme le, le comparé au, je sais pas, au, au streaming musical par rapport ouais, à l'industrie du disque. Je sais pas. C'est ce que je te disais avant, mais c'est peut-être juste parce que je suis naïf, ou que j'ai trop envie de croire euh, en f dans le fait que les gens soient responsables et arrivent à se responsabiliser, euh, même sur des sujets euh, juste de culturel, de me dire que euh, même si Wonder Woman 84 sera disponible en euh, 4K euh, Rip euh, le 25 décembre, et bah que quand même euh, une majorité de gens en France va juste euh, se dire. Oui, il faut l'espérer. Hein. Bah, je vais quand même aller le voir au cinéma parce que ce sera quand même pas La même chose, non, même moi, si j'ai une grande vers, télé, machin, vers, ouais. tu vois, non. et même, même si, même si effectivement, j'ai pas envie de. Alors, oui, ch ch chacun a le droit d'avoir ses propres envies et tout ça, parce qu'il y a aussi un aspect sur le coût du cinéma, combien ça coûte d'aller au cinéma quand oui, t'as pas évidemment. un abonnement et tout ça. Mais tu sais, ça, c'est un truc que je répète à chaque fois, je veux dire, aller au cinéma, ça coûte 10 balles, c'est plus, ça coûte 20 balles. Ça dépend là où tu vas. Ça, bah, ça bah, coûte 20 balles. Non, bah, non, pour un mec si comme moi, là, qui a plus d'avantages jeune ou senior ou je sais pas quoi, qui a pas d'abonnement et tout ça. Ouais, c'est quasiment 20 balles la place de cinéma. Hein. Mais la carte mensuelle, elle est à 20 balles aussi. Mais oui, mais tout le monde ouais. n'a pas le réflexe ouais, de. elle est rentabilisée mais... en une séance. Quoi. Oui, ça... non, mais on est d'accord, mais tout le monde n'a pas 20 balles à mettre par mois. Je suis d'accord. Par contre, je trouve quand même qu'il y a une hypocrisie par rapport à ça. Enfin, moi, effectivement, c'est cher. Je suis premier à le dire, le cinéma est trop cher en France. Et justement, les... parce que qu'on parle de cette courbe de croissance qu'il faut chaque année euh, doper un petit peu. Euh, D'où les piliers confiseries et compagnie. Mais. Enfin, quand les gens ils vont au doma, qui prennent un menu Big Mac, c'est c'est dix balles aussi et quelque part. Ça dure moins longtemps qu'un qu putain de film qui va te laisser un souvenir indélébile quoi. Et je suis désolé que les gens on pas entendu ça parce qu'effectivement c'est de la bouffe, c'est physique, c'est un, un film tu l'as juste vu, tu l'emmènes pas avec toi à la maison pour le digérer et, et le chier ensuite. Mais très honnêtement, euh, je dis pas hein, c'est cher effectivement, mais qu'est-ce que t'as en échange, tu vois Enfin c'est mais bon après voilà ça dépend si tu vas voir ça dépend si tu vas voir je sais pas annihilation ou si tu vas voir bloodshot quoi t'as pas la même chose pour le même prix c'est ceux qu'on paye au cinéma pour aller voir bloodshot par contre là effectivement je sais pas si vous êtes des gens qui savaient ce que vous faites de votre argent de toute façon il y a quelques personnes qui ont pu le faire aux États-Unis mais sinon personne d'autre n'a pu oui en France parce que c'est pas sorti en France au cinéma peut-être des gros fans de Vin Diesel qui ont tout Furious une et pourquoi pas Et pourquoi J'ai envie de dire pourquoi pas, allez, Corentin bon, allez, On va conclure ouais. ce podcast avec le dernier sujet qui n'est quand même pas, pas non plus l'un des moindres. Euh, what the fuck is happening avec Spider-Man 3 Alfred Molina, donc de retour en, euh, 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 en, en Docteur Octopus. Octopus euh, Fatigué. Ouais, ouais, non, mais qui, donc, euh, euh, qui continue donc à, à, à nous dire qu'ils voilà, sont en train de. Euh, de faire un mix de, de, de Spider-Verse euh, en live action, puisqu'on savait que Jamie Foxx doit aussi revenir en tant qu'électro. Alors, toi, tu évoques aussi la potentielle piste en fait qui serait en train juste de reprendre les acteurs, mais pour la version MCU de ses rôles. Mais vu qu'il y a Benedict euh, Cumberbatch qui fait Doctor Strange, que euh, voilà, au Disney Investor Day, ils ont quand même dit que l'intrigue de Multiverse in... Madness là, euh, ce serait lié à WandaVision et à ce Spider-Man 3, que, euh, Collider, okay, que euh... Collider a quand même euh, écrit que c'était sûr. Garfield, Toby Maguire, star Dunst et même Emma Stone euh, allaient revenir reprendre leur rôle dans, dans les films Spider-Man précédents alors que Emma Stone est morte et que, enfin, que son personnage est mort et Walter Molina aussi hein. et, dire, ah, je... et Molina <laughs> aussi tu vois toi, donc bon après j'ai envie de dire que si si est ce que c'est vraiment un point d'intrigue essentiel et que le Spider-Man 3 est un vrai psof, proto spider verse dégueulasse euh, en live-action ou est-ce que c'est juste pour une séquence multivers dans laquelle ils feront juste des caméos, ce qui change quand même vachement les, toutes les ambitions du projet. Maintenant, il y a même l'autre blaireau de, de Murphy's Multiverse qui dit que Charlie Cox va revenir en Daredevil. Ouais, dans alors, le film. Ouais, mais j'ai vu en plus plein de gens la partager celle-là alors qu'elle est pas sur du enfin, elle est pas safe une seconde. Non, mais bon, j'ai envie, j'ai envie de dire c'est 2020. Je te dis pour, pour moi, c'est ah, l'année. Si ça arrive, on aura l'air con, mais je pense vraiment pas que ça va arriver ça. Bah, je sais pas. En vrai euh, en, en, en vrai déjà si. Mais de, 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 de base, tu vois, moi dans... Enfin, dans, dans, on se comprend de, 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 de mon avis, mais... Dans ma conception non, on en branle pas en dans ma conception de, de mec de, de moi je fais pas un spider verse en live action tu vois je vois pas l'intérêt de, de ramener trois fois peter le même peter parker avec juste une différence d'âge euh, parce que c'est pas ça qui fait l'intérêt de spider verse en, en comics ou dans les ou, ou dans le film d'animation l'intérêt de spider verse c'est d'avoir euh, vraiment euh, la démonstration par l'exemple que n'importe qui peut porter le masque et donc que ce soit un mec blanc 6 euh, comme moi que un ce cochon. soit un, un jeune Renoir américain, que ce soit une meuf, que Nicolas ce soit une asiatique, que ce soit un, un vieux gars des, des films des années 30 en noir et blanc, <laughs> ou, ou, ouais, ou un cochon, tu vois, mais vraiment pour dire que c'est diversifié, tu vois. Là, si tu me Tom Holland, Tubebema, Wire et, euh, et Andrew Garfield ça pourrait faire vaguement du sens si tu essayes de faire un, un, un life story tu vois, en les mettant à différents euh, tranches d'âge. Mais bon, il n'y a pas tant de différence d'âge entre Garfield et, et, euh, et Tom Holland, quoi, en termes de durée du Peter Parker qu'il représentait. Le côté méta de juste ramener tout B. Maguire, mais... Euh... Attends, mais c'est pas fait encore, hein, ça... Bah, c'est pas fait, mais j'ai l'impression que c'est réellement vers ce quoi ouais, on se dirige. Enfin, euh, moi aussi, mais il faut quand même pas mettre la charrue avant les bœufs, comme tu dis, si ça se trouve, c'est juste dr Strange, genre qui montre le... comment marche le multivers à Peter Parker et tu vois des fenêtres du de multivers qui s'ouvrent, tu vois au loin Electro et mais c'est Fred Molina. Je, Je sais, que c'est trop pété. nul, c'est trop mais nul. C'était un game le côté on voyage dans le temps pour euh, faire ci faire ça etc. C'était bah... pété hein. Non mais c'est pas c'est c'est Non non c'était pété vraiment je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord parce que euh, le fait de revenir dans le temps et de revisiter des films ça faisait partie d'une démarche d'un même studio qui a fait ces films qui célèbre un peu tu vois, son sa grande saga de 10 films en euh, célébrant quelques grands moments machin Sony Pictures Sony Pictures a fait tous les Spider-Man. C'est Sony qui reste producteur sur le film, et même le, les Marvel oui, le oui, non, mais ils, sont, ils restent producteurs, mais ce n'est pas du tout la même création. C'est Ces trois Spider-Man-là, ces trois tentatives qui ont fini par ca capoter. Il n'y a rien de glorieux à vouloir célébrer ça, en fait. Moi, bah, je sais. Mais Surtout c est, c est avec le Amazing Spider-Man 2, mais c'est votre plus grosse oui, en, foire en, en plus, sur plus la licence. La Spider-Man Riri n'a pas capoté. Elle, elle s'est finie sur une mauvaise note, mais. Ça reste des, non, mais des a... grands films. C'est pour ça que je dis qu'il ouais. a fini par capoter au final. Qu il ouais. a fini par... Alors qu'il y aurait dû avoir un Spider-Man 4. On, on ah le oui, sait, oui, tu oui, vois. Donc... 6. Hein, voilà. Oui, Donc bon, a... ouais. ça n'a ça quand même pas fini sur une bonne note. As ouais. the Amazing Spider-Man, c'est un échec. C'est un... un échec. point Il y a eu des, des bifs qui est rentré, mais c'est quand même un échec. À oui, quel oui, moment. Oui, oui, oui. Et, et malgré de... ses qualités. De... Hein. Oui, oui, mais, mais, mais à quel moment tu essayes de... de faire genre. Et en plus, ce qui m'énerve, et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est une putain de paresse intellectuelle à juste se dire. Et je crois que j'avais déjà dit dans un précédent podcast, mais ils ont fait, ouais, Spider-Verse, là le film, cool, ça a marché. Ils ont vu tout. Désolé, mais il y plein, tous les mêmes de blaireaux partagés sur les groupes neuneux là, qui, qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez à faire. Euh, c'est très rigolo, tu en la même chose avec les trois acteurs, euh, suivi du sans-péternel débat. Euh, c'est qui que vous trouvez le meilleur Spider en live action Le truc, putain, mais que ça. Tu c'est comme. Euh... C'est devenu une blague méta à force, en fait. <laughs> ouais, mais c'est même plus drôle, en fait. Enfin, moi, ça me fait, fait tellement pas marrer. Euh... Et c'est comme le fait de faire chaque année la même blague, genre ah, Die Hard, c'est un film de Noël, tu vois. C'est le genre de truc. c'est arrêté en fait. C'est pas drôle. C'est. <laughs> genre ça saoule tu vois ça va aller. Et, et pour moi j'ai juste l'impression de voir la, le, le vieux Aviara de là grosse merde dans son fauteuil <laughs> qui regarde un post Facebook avec le, le montage des trois Spider-Man live action interesting ouais c'est ça et là il fait mmh. Il y a de la à sœurs, là, putain, ça a l'air cool. Il <laughs> fait Allo, allo, ami. Ouais, salut, salut, ami. Ouais, j'ai eu l'idée là pour le prochain Spider-Man. Ah oui, enfin... euh, quelqu'un nous demandait d'ailleurs de préciser pour Aviarad et, euh, et pour euh, Ami Pascal pour qu'on les mette pas dans les commentaires j'avais dit un truc là-dessus un hein, mec nous avez une prose manière de préciser dans le podcast pourquoi on hein. les aime pas, pourquoi on les aime pas bah, alors Amy Pascal parce qu'on a quand même vu avec la, la fuite des mails de, de Sonic c'était une grosse merde de raciste <laughs> qui, qui voulait absolument pas d'avoir de, de personnages de couleur pour reprendre euh, le rôle de Spider-Man que... hein, mmh. c'était clairement noir hein, c'était ah ouais. no character black enfin voilà elle avait tenu des propos absolument dégueulasses donc euh, ben, bouffonne dégage et aviaran Aran parce que c'est un forceur de merde c'est tout qui réfléchit qu'avec euh, la bah, le le lui vide qu'il qu y a dans son cerveau c'est lui qui a imposé Venom à, à Sam Remy pour Spider-Man 3. C'est lui qui, euh, en fait, a, a fait en sorte que, enfin, euh, a dégoûté assez Remy pour qu'il se casse de Spider-Man 4. Sans, s'il n'y avait pas eu Aviarad il n'aurait pas eu Spider-Man euh, Amazing. C'est lui qui commande des projets Venom Morbius en Spider-Man, voilà. en Pidgey Sortin, en Et enfance, hein. Amy Pascal, qui ont fait en sorte, entre guillemets, que The Amazing Spider-Man de Mark Webb, qui devait poser un truc plus, original euh, originel, façon, euh, Straczynski avec le, le totem de l'araignée a été réécrit pour faire un Spider-Man tout à fait banal et sans nouvelles idées et ce qui est dingue c'est que c'est quand même des c'est personnes qui ont produit Into the Spider-Verse tu comprends pas le truc tu vois mais non c'est juste que c'est des gens qui sont profond profondément profondément nuls dans leur approche du tisseur Spider-Man et qui en plus ben en plus est doublé d'une grosse merde raciste quoi donc voilà c'est pas que ça en plus les mails de Sony par rapport à mi Pascal avait bien pire que ça enfin c'était vraiment mais enfin, vous avez tout le résumé en ligne si ça vous intéresse. Cherchez juste Hackmail Sony. Amy enfin Pascal. du coup voilà, moi je comprends, je comprends, pas le projet. Je le vois d'un très mauvais oeil parce que pour moi c'est aussi la victoire. C'est pareil pour moi, c'est un studio qui, qui flatte là, la la fanbase. Ah la euh... Snyder Cut. Mais un, peu comme, ouais, mais un peu comme ça Après, je pense, mais je pense que Stanley Decker c'est plus légitime parce qu'il y avait euh, quand même un réalisateur à qui on a volé euh, un, un projet et qui s'est fait euh, tège alors que euh, sa gamine s'était suicidée donc il y a, y, a, y a vraiment un truc sale tu vois et je peux comprendre pourquoi euh, finalement ils ont fini par, par accepter même si je suis pas d'accord avec les méthodes qui ont été employées tout le temps il y a quand même une part de bien. Là, franchement, c'est juste pour moi, ouais, des mecs qui, qui réfléchissent pas, qui voient des mêmes partagés, qui se disent, ouais, c'est ouais, vrai, ça peut marcher, ça peut faire du bif, et, et, et que je trouve terriblement injuste, alors que les gens ne sont pas allés voir Spider-Verse, parce qu'il a pas fait un score de ouf au cinéma, parce que euh, c'était de l'animation, donc genre, c'est euh, avec leurs préju préjugés à la con, et se disent que, parce que je maintenant, on regardes, va le faire le voir, en live-action, d'un coup, ça va devenir bien, mais niquez-vous c'est pas bien du tout. Le projet est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup moins inventif, c'est fainéant. Mais juste parce que c'est du live de action, d'un coup ça vous hype ou je sais pas quoi. En plus, ils sont en train de, 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 de gros, surfer sur enfin... cette vague de nostalgie qui pue la merde là mais depuis mec, des années. Mais qui... mais ouais, ouais, enfin, welcome qui... to the CW, c'est pareil pour Crazy. Non, je, suis, pas da... non, je mais suis bien pas sûr que si. Ouais. Non, non, non. Tu sais pourquoi Non, si. non. Quentin, laisse-moi dire pourquoi ce n'est pas pareil. Parce que la CW, depuis la première saison euh, de The Flash, ils ont impliqué euh, leur héros dans des thématiques de multivers. Ils ont tissé ça, sans jeu de mots du coup, par rapport à Spider-Man, mais ils ont bâti ça sur cinq ans. On a attendu cinq ans que leur série fasse des crossovers réguliers et amène le multivers pour avoir créé son Infinite Earth. Il y a une légitimité à faire ce qu'ils ont fait. Mais ça reste du gimmick. Oui, Ça reste mais du gimmick, mais, du marketing. Mais c'est fait, non, parce que c'est fait avec largement plus de sincérité que la Sony Pictures, qui n'a jamais voulu faire de film Spider-Verse Live-Action, qui n'a jamais eu cette idée en tête, qui d'un coup se réveille parce qu'un film d'animation a marché, et qui là, d'un coup se dit, ah ouais, putain, on va le faire là aussi, parce qu'en même temps, on a peut-être une porte de sortie pour essayer de récupérer Tom Holland avec nous, ou pour essayer d'un coup d'avoir de, 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 de nouveau un Spider-Man dans, dans notre univers tout nul de vilain où il n'y a pas Spider-Man dedans. Je suis désolé, il y a rien d'honnête et de sincère dans cette démarche. La cette tu peux dire ce que au final c'est peut-être aussi du gimmick, ils ont passé cinq ans à bâtir leur série pour amener à ce crossover et je suis désolé ça tu leur enlèveras pas quel que soit le résultat. Non mais ça m'énerve de dire euh... les yeux alors. Non mais ça me saoule. Je suis disais il y a une sincérité dans leur démarche oui, qui n'est pas du tout c'est celui... pas la question de et... sincérité, pas sincérité, c'est la question que c'est devenu un gadget le multivers et l'univers partagé est en train de devenir un gadget aussi. Euh... Ouais mais, mais mais vraiment là parce que ça ne l'était pas pour la CW, mais oui, quand même. mais et... évidemment mais c'est tu sais voilà c'est envie de te dire Marvel aussi et puis et puis pas pour rien Spider-Man de Bendis c'était bien puis Spider-Verse qui était nul qui a eu spider geddon qui était tout aussi nul et en fait spider geddon qui a servi à en enfanter un, un comics basé sur le comics par euh, pour le jeu Spider-Man de PS4 tu vois enfin c'est Marvel aussi qui est responsable de ces espèces d'esprit de crossover bizarre avec, euh, avec Marvel parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient faire de la thune avec Spider-Gwen parce qu'ils ont vu que Miles Morales c'était populaire mmh. parce qu'ils ont vu que Spider-Man noir il plaisait encore aux gens et, et en fait tout Mais ça, il... ça n'avait pas vocation à se croiser mais c'est pas ce qu'il y a Spider-Man que tu peux voir spider Gwen dans l'univers Marvel normal etc. en fait c'est juste des résultats de mecs qui se qui se piquent des mauvaises idées entre eux tu vois c'est juste du marketing qui appelle du marketing qui appelle du marketing et moi je suis d'accord je trouve ça pourri tu vois mais après peut-être que s'enflamme alors que ce sera juste effectivement juste du caméo là tu compte, vois mais typiquement euh... si le film avait été réalisé par Sam Raimi je serais content tu vois c'est c'est con à dire mais en fait il suffit d'un rien il suffit vraiment que la promesse là, soit Watt, plus euh... bandante tu vois John Watts évidemment ça m'intéresse pas parce que faire ce crossover là avec ce réalisateur là à la fin de cette trilogie là ça ça fait bander qui? Mais franchement. Surtout sur... Bah, ça en fait bander. Alors. alors que justement, tu ramènes Rémi, le réel original des premiers des, des, des Spider-Man, qui lui sait de quoi il parle, avec justement, la capacité de corriger ce qui a été mal fait ou même de, de finir me, sur une meilleure note sa trilogie à lui, ça aurait pu être kiffant la vérité c'est que si tu veux, c'est parce que c'est Sony parce que ça vient à Pascal et quelque part Marvel Studio, qu'en fait on sait que ça va être éclaté au sol. Et c'est trop, trop bizarre parce que comme, comme on l'a dit, il y a certains personnages alors du coup, euh, admettons que tout ce qui est magoyer et euh, Garfield, ce soit juste euh, vraiment soit du camo, soit en fait juste que c'est du chiquet parce que Collider peut-être euh, se trompe tout simplement, puisque personne d'autre ne l'a repris pour l'instant, donc euh euh, je, je ne sais pas encore euh, comment me, posi me positionner là-dessus, mais juste sur le cas Molina, tu, effectivement le, le, le gars est, est mort à la fin de Spider-Man 2. Donc c'est est-ce qu est -ce que ça veut dire que l'intrigue va en fait euh, faire revivre en fait les moments de, de Spider-Man 2 quand euh, Octopus ah ouais. est encore vivant, tu ah vois ouais, T'imagines John Watt qui refilm la scène de combat sur le métro Ça ouais, va, ça bah, va être, bah, être plus mou. <laughs> ouais ouais non je, non mais tu vois c'est ça veut dire c'est à quel non, moment Pédigree faut faut Molina, je comprends pas je comprends pas pourquoi Molina précisément enfin, je... bah, parce que nostalgie c je crois que je les disais un peu mais il surfe aussi sur cette grosse vague de nostalgie qui gangrène un peu toute la pop culture depuis, euh, On depuis 5 électro, ans électro, quoi. il est il est cané aussi je me rappelle plus je t'avoue je l'ai tellement jeu, plus en tête ce film euh... ou alors ou alors ou alors c'est complètement chiqué sur le non ben non parce que si il y, y a un multivers c'est sûr qu'ils vont là dedans y a tout ça tu peux pas le nier par contre mais je sais pas et pareil ça donne raison en fait à tous ces sites clickbait de merde qui, qui, qui en parlaient mais qui savaient certainement rien mais forcément comme bah, je, de... je te dis le marketing appelle le marketing à eux, force Ils force de de... d'un truc ils, euh, font pas euh, de ils, font, ils font du marketing de, de, de clics c'est comme ça c'était ouais, mauvaise idée depuis, depuis, depuis Captain Marvel il disait ouais il va y avoir un truc secret Invasion alors oui il disait plutôt un film donc du coup ça devient une série donc ils disaient ouais ah, vous allez on, on l'avait annoncé tout mais bien sûr Connor tu vois un Captain Marvel avec des scrolls bien sûr tu penses qu'il y a mmh. secret Invasion du coup ils font enfin ils font de la merde et au final ils il il, il finissent ouais c'est ça bien. et ils finissent récompensés ça, ça me rend ouf quoi ça... Et parce que les gens s'en battent les couilles si tu vois. Pas oui, le truc de voilà. Charlie Cox, t'as beau essayer d'informer les gens et de dire les gars, si vous donnez euh, du clic à, à ces ouais, médias, ouais. vous allez faire crever tous ceux qui essaient de faire correctement le boulot. Bon, voilà. C'est pas parce que je suis passé par là que euh, ça me vénère encore plus maintenant, tu vois. Mais euh... ouais, putain, il y a... enfin, mais il y a rien qui me plaît dans ce projet. Il y a des gens qui m'ont dit. Euh... Ouais, mais faut juger sur pièce et tout ça. Oui, bien sûr, on juge à presse et j'ai fait un truc où j'ai dit que ça allait être de la merde et je, je, je me le suis mis en signet. Et dans deux ans, on en reparle et si le film est vachement bien et tout ça, bah je, je mauto en disant j'avais tort. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais tout, de tout ce qu'on connaît sur le passif maintenant de, de Sony et comment il gère le Spider-Man depuis euh, là depuis quelques années. Mais à quel moment tu veux t'enjailler là-dessus Vra Enfin, vraiment hein <laughs> mais, 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 mais limite, je, 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 je souhaiterais faire partie de, des gens qui, qui, qui arrivent oh, à swiper ouais. là-dessus, tu vois. Mais moi, je suis désolé, j'arrive pas, pas du tout. Néanmoins, c'est ouais. pas encore confirmé. Donc, on va attendre avant de, de faire des procès d'intention. Tout à fait, oui. Voilà, si ça se trouve, encore une fois, ce sera juste un caméo. Ou bien, comme pour J.K. Simon, c'est pour ça que j'en parlais, tu vois. C'est Une version réinventée, peut-être. Ouais. Pour avoir une sorte d'équivalent on sait pas, je sais pas, après moi je pense mmh. qu'ils vont vers le côté multivers Mais mmh. on sait pas à quelle forme ça va prendre, si ce sera un team de Spider-Man ou pas à voir, tu vois, moi pour l'instant je vois juste des annonces qui, qui ont aucun sens donc c'est de la merde ouais, évidemment ça, ouais, plutôt, mais ouais. euh, voilà, encore une fois on sait qu'il y a un conflit entre Sony et Marvel Studios Qu'à terme, Sony veut récupérer Spider-Man. Moi, ce qu'on ce que... ce qu s'est dit, hein, c'est est-ce au final, en fait, ce truc de... du Spider-Verse live action serait pas quelque chose qui a été négocié par Sony quand il y a eu cette fameuse là ah oui, euh... je pense qu'il y a de ça là-dessus. Là là je pense qu'il y a de ça. On a même aimé... évoqué l'idée que ça pourrait être une façon pour Tom Holland de quitter l'univers. Ah, j'y crois moins mais euh... bah, tu sais moi j'ai publié un <laughs> c'est trop con parce que du coup c'est sorti juste quelques jours avant cette annonce mais j'ai publié un, un, un article sur Miles Morales dans Geek Magazine achetez-le euh, même si je touche rien dessus mais grosso modo je concluais du goût en, en fait je, je montrais que voilà Miles Morales en étant euh... Porté standard un petit peu de la PlayStation 5 avec le, le, le nouveau jeu qui est sorti. En fait, c'est juste la démonstration d'un parcours ascendant qui fait que Miles Morales devient le Spider-Man, si tu veux, euh, nouvelle génération sur tous les milieux. Et je disais, bah, ce qui manque en fait c'est le cinéma. Ça tombe bien. Euh, on sait que euh, Miles Morales il est vivant. Bah, en live, en live action, pardon. Que Miles Morales est vivant dans, la, dans le MCU. On le sait. On sait aussi que le contrat va peut-être se finir. Peut-être que Spider-Man 3 ce serait l'occasion en fait, effectivement de dire au revoir à Tom Holland, mais pour ramener Miles Morales. Je pense. Ouais. Bah, moi, j'en suis pas du tout sûr ça, maintenant, ça par rapport a, que... au... mais par rapport aux annonces de, de maintenant, euh, j'en ai bah, plus du tout là, la moindre certitude. Il faut voir, il faut voir. Écoute, moi, je te dis pour l'instant, je comprends rien à ce projet, je comprends rien à l'univers de Sony. Euh, pareil, l'univers de Sony qui est censé se passer dans l'univers du MCU, puisqu'on on voit le vautour bah, à la fin du trailer de Morbius. Ouais, et encore, on sait toujours mais, pas ce que ça veut dire ça. Mais dans les publicités, les fausses publicités qu'on voit sur le tournage de Morbius, il y a des pubs pour le Daily Bugle qui est un organe de presse. Ouais. Alors que dans le MCU, le Daily Bugle, c'est une chaîne YouTube à la Infowars. Donc ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun aucune cohérence. Ça ne ça, ça veut rien dire. Donc pour l'instant, moi je ne vais pas m'énerver parce que si tu veux juste, je trouve ça ridicule. Et j'attendrai de voir le film. Et je pense que, que si c'est encore une fois, euh, si c'est bien une manigance d'Aviara et demi Pascal ou même juste d'Aviara tout seul, il n'y a pas besoin d'aide, le coco. Il n'y a pas de raison de de, de de trouver ça bien. On va dire. C'est ça. Bon, bah écoute, on ne va pas se fâcher plus longtemps sur ce sujet. Euh, N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quand je mettrai le, le podcast sur Tipeee, euh, dans, les, dans la section news euh, en libre accès comme tous les front pages, à bah, dire ce que vous pensez de, de ce projet-là, si ça vous intrigue, enfin, si ça vous met aussi complètement par terre euh, à ne pas comprendre vraiment ce qu'ils qu ont envie de faire. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Voilà, il y avait 4 heures de 10 d'actualité cette semaine avec le spécial sur le Disney Investor Day on espère que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à partager l'émission c'est vraiment ce dont on a besoin euh, le Tipeee est un peu au calme plat aussi ces derniers temps donc euh, voilà on sait que vous êtes quand même pas mal nombreux à nous écouter donc si vous voulez nous filer un petit coup de main pour les fêtes de fin d'année euh, enfin pour en avoir parce qu'on va rien s'offrir mais <laughs> si vous voulez nous aider juste pour la fin d'année ça peut être vraiment vraiment très cool merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis le début Bien qui sûr. sont toujours là euh, c'est grâce à vous que les podcasts peuvent continuer de façon euh, voilà euh, aussi régulière et on vous fait 10 euh, bisous et on vous dit à très bientôt euh, pour le prochain numéro de First Print salut salut